Bonsoir à tout le monde, ça fait vraiment bail. J'espère vraiment que vous allez bien. On est parti les gars pour ce match Barça Paris Saint-Germain, le match de retour, oui, le match qu'on doit attendre les gars, aujourd'hui ça va être gagnant. Tout à l'heure, donc à l'aller le Barça a battu donc le Paris Saint-Germain à l'extérieur sur le score de 3 buts à 2. Là c'est simple, Paris doit gagner donc en accumulant quand même donc les deux matchs. On verra les gars aujourd'hui quand même est-ce que le Paris Saint-Germain va se qualifier oui ou non. On va parler tout à l'heure quand même de l'historique des rencontres. C'est la 14e fois que les deux équipes se croisent. 4 victoires pour le Barça, pour le Paris Saint-Germain. 4 matchs nuls et 5 victoires quand même pour le Barça. On a suivi quand même le match. Allez, il y avait beaucoup de choses à dire. Les gars, ça fait longtemps. Je ne sais pas comment l'algorithme aujourd'hui quand même va se comporter. Je ne sais pas. Mais ça fait vraiment au bail. Hein. Ça fait vraiment au bail. Donc, il y avait la Corité, il y avait le Ramadan. J'étais malade aussi. Après, mais Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, on est là. Là donc l'occasion se présente qui est important. Donc je ne sais pas comment l'algorithme va je sais pas comment l'algorithme va se comporter aujourd'hui, mais ça fait vraiment au bail, hein. Ça fait vraiment au bail. Et j'espère vraiment les gars que vous allez bien. Là on est parti quand même pour ce match. Barça, Paris Saint-Germain, nous avons déjà les compos. Hein. Nous avons déjà les compos. La composition du Barça, il y a un seul changement. On sait que c'est Roberto qui a eu donc un carton jaune au match aller, donc qui est ménagé aujourd'hui quand même à défaut d'avoir des cumul de carton jaune. Là, Pedri titulaire. Qui dit mieux? On sait quand même Pedri, c'est l'homme fort. Hein. C'est lui qui a changé quand même donc le match aller. Suite à sa rentrée, on a vu quand même ce qui s'est passé. Une passe délicieuse, une passe exceptionnelle quand même, donc qui a permis à Rafinha donc d'égaliser avant que le Barça quand même donc prenne le dessus. Avec ce but de Christensen. Donc à partir de là aujourd'hui quand même Pedri titulaire. Le reste donc c'est la même compo, c'est les mêmes hommes qui étaient là donc au match aller, que ce soit Lewandowski, que ce soit Lamine Yamal, que ce soit Rafinha, que ce soit De Jong, Gundogan, Cancelo, etc. Les gars, ça va être un match incroyable. Du côté du Paris Saint-Germain, il y a beaucoup de changements. Il y a aussi quand même le retour d'Hakimi qui était donc absent donc au match aller. Hakimi donc qui retrouve quand même donc ce couloir droit. Marquinhos dans l'axe, Hernandez donc dans l'axe. On aura les gars l'occasion de parler tout cela parce que ça fait vraiment ouais. Je n'ai pas fait de live. Mais on est là quand même, donc on va profiter quand même de cette occasion pour commenter ce match. Mais c'est que l'algorithme aujourd'hui quand même ça va être compliqué. Salut à vous Ndeye Maguette, salut à vous, j'espère que vous allez bien. Oui, ça fait vraiment ouais. Ça fait vraiment ouais. Salut à vous Dimon. Allez peser. Bah, je ne sais pas si le Paris Saint-Germain va se qualifier aujourd'hui. Mais une chose est sûre les gars, ça va être un très bon match. Hein. Ça va être un très très bon match. Ça va être un très très bon match. La compo du Paris Saint-Germain, on va parler les gars de cette compo du Paris Saint-Germain. Il y a quand même quelques changements. À noter, on a vu quand même donc au match aller, c'était Lucas Hernandez et Beraldo, match assez compliqué quand même. On a vu quand même donc le match du Brésilien était assez compliqué quand même au match aller. Beraldo aujourd'hui donc avec le retour d'Hakimi, Beraldo est sur le banc donc en défense on aura Marquinhos et donc Lucas Hernandez. On verra quand même donc comment va se comporter donc surtout donc les deux défenseurs. On a Nuno Mendes qui était titulaire donc au match aller. On a vu quand même donc l'importance quand même donc du Portugais sur le côté gauche. Au milieu de terrain, quel match aussi quand même au match aller de Vitinha. Incroyable. Sans doute s'il y avait match nul, peut-être on aurait Vitinha donc homme du match. Vitinha qui était incroyable quand même. Donc, au match aller, il est titulaire aujourd'hui quand même. On aura Fabian Ruiz qui était titulaire aussi. Donc au match aller, donc on aura Fabian Ruiz donc au milieu de terrain. Kang Ling Lee donc est sur le banc. On a aussi le retour de Zaïre Emery. Zaïre Emery donc titulaire au milieu de terrain. Donc on aura Zaïre Emery, Vitinha et Fabian Ruiz. Et devant on aura Ousmane Dembélé. Ça va être compliqué aujourd'hui. Ça va être compliqué quand même pour Dembélé. On a vu quand même ce qui s'est passé au match aller. Donc il a marqué. Après il a célébré quand même son but. Là donc aujourd'hui sans doute son match va être compliqué. Chaque ballon que Dembélé va toucher. Donc les Catalans donc vont. Sans doute vendu, donc ils vont crier. Donc on verra aujourd'hui quand même donc le match donc de Ousmane Dembélé. Donc Asensio qui a été compliqué. Ça a été compliqué quand même pour Asensio au match aller. On a vu donc il n'avait pas apporté grand chose. Donc là Asensio donc sur le banc. On a donc la titularisation de Barcola. Et quelle entrée aussi quand même de Barcola. Il a fait une très très bonne entrée donc au match aller. Donc Barcola titulaire et Kylian Mbappé qui va jouer devant. Donc, Mbappé. Un match assez compliqué quand même au match aller. On a vu, il n'avait pas de tir cadré, il avait un seul tir donc, dans,
donc au match aller. Donc là, Mbappé donc, a été critiqué quand même carrément. Donc là, aujourd'hui, sans doute, ça va être peut-être le dernier match de Kylian Mbappé avec le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, on ne sait jamais. Mais là, s'il veut continuer l'aventure, espérer gagner donc la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, c'est maintenant. Parce que là, le Barça a gagné donc le match aller 3-2. Là, le Paris Saint-Germain est dos au mur. Là, ils doivent gagner. Là, ils doivent gagner, c'est simple. Là, on va voir quand même les joueurs, comment les joueurs vont se comporter donc avec Luis Enrique. On a vu le match aller. On ne peut pas dire que tout était exceptionnel. Il y avait beaucoup d'erreurs. Parce que là, on a vu l'entame de match du Paris Saint-Germain était exceptionnel. On a vu ce qui s'est passé, même si après, ils ont pris quand même ce but donc, marqué par Rafinha. Mais après, à la mi-temps, Paris Saint-Germain qui revient, je ne sais pas après ce qui s'est passé. La rentrée de Barcola a été exceptionnelle. La rentrée aussi quand même donc de Zaïre Emery aussi est exceptionnelle. Même si quand même Zaïre Emery est rentré donc, après. Mais là, quand même, aujourd'hui, quand même, cette équipe de Paris Saint-Germain, là, il y a des doutes, on se pose beaucoup de questions. Comment Luis Enrique aujourd'hui, on peut dire, là, l'équipe que Luis Enrique a alignée, on peut dire que c'est l'équipe type. Pour moi, c'est l'équipe type. Pour moi, c'est l'équipe type. Avec Kylian Mbappé, Barcola, c'est les hommes qu'on peut avoir. Là, Marco Asensio, on a vu quand même le match. Allez, ça a été compliqué quand même pour Asensio. Donc là, Asensio est sur le banc. On a vu quand même qu'avec Kang Ling-Li, même s'il n'était pas mauvais au match aller. Donc là, on a le retour quand même des Zaïre Emery, donc comme titulaire. Hakimi titulaire sur le côté droit. Là, on peut pas avoir mieux. Là, on verra aujourd'hui quand même est-ce que les Parisiens, donc comment les Parisiens vont se comporter donc aujourd'hui. Ça, c'est un match important. Je l'ai dit, c'est la 14e fois que les deux équipes se rencontrent. Donc là, c'est les 6 rencontres, surtout à l'extérieur pour le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain a réussi à battre donc le Barça, surtout à domicile. Donc là, on verra aujourd'hui quand même, donc ça va être un match difficile pour les Parisiens, mais ça va être un match aussi assez intéressant quand même pour les Catalans. Là, on sait, depuis que Xavi a annoncé quand même son départ, donc là, le Barça a aligné 10 victoires et 3 matchs. Là, on va voir. Là, on va voir, les amis. Ce match, il nous reste quelques minutes, donc avant le coup d'envoi de ce match, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. On va voir, les gars. On va voir les statistiques. Surtout les notes surtout le match aller. On va voir le match aller. C'est important. C'est important. C'est important. Salut à vous, mon frère Mohamed. Comment tu vas? Salut à vous. J'espère vraiment que tu vas bien. Ça fait vraiment au bail. Et j'espère vraiment que tu vas bien, mon frère. J'espère vraiment que tu vas bien. Et ça fait longtemps. Ça fait longtemps, les gars, que je n'ai pas fait de live. Et là, ça se voit carrément. Et là, ça se voit carrément. Et là, ça se voit carrément. À défaut de ne pas être régulier sur YouTube, ça donne ça. Hein. Carrément. Là, on va voir, les gars. Attendez. Là, je vais partager. Je vais faire ça. Là. Là. Le match aller, les gars, c'est important. On va voir les stats, surtout au match aller. On a vu quand même ce qui s'est passé. Hein. Donc, au match aller, même si que le Paris Saint-Germain en deuxième période, ça a été compliqué quand même. Surtout, on peut dire, on a. J'ai dit quand même, donc. Une personne a sondé quand même donc le match donc du côté du Barça, c'était Pedri. Hein. Une très bonne entrée. Hein. Une très bonne entrée quand même de Pedri. Une passe exceptionnelle. Là on a vu quand même les gars, je l'ai dit encore une fois, comparé à son donc du Barça. L'absence de Sergio Roberto, on sait pourquoi Sergio, autant pour moi, Roberto donc est absent. Donc là on peut dire quand même, il n'y a pas assez de sens. À part Pedri, quel homme, hein, quel homme c'est ce Pedri, titulaire aujourd'hui, donc avec Gundogan, avec De Jong. Donc en défense, on aura Cancelo, donc Kubati, qui avait une note quand même de 6,4 hein, au match aller. C'était pas mal quand même donc pour le gamin. On aura donc Araujo qui a été incroyable quand même au match aller, 7,1. Une note de 7,1. On a aussi Jules Koundé sur le côté droit qui a été exceptionnel quand même. Exceptionnel Koundé. Cancelo donc. À défaut, Cancelo, on peut dire que son seul problème, c'est qu'il aime trop le ballon. Donc Cancelo, t'as l'impression que c'est un attaquant. Et là, à défaut quand même donc de perdre ses ballons. Aujourd'hui quand même, il entraîne aussi seulement à libérer trop vite donc ses ballons. On va voir quand même le comportement de Cancelo donc sur le côté droit. De Jong qui avait une note de 6,6 donc au match aller qui était exceptionnel. C'est de Roberto qui a eu pris donc ce carton jaune. On a Gundogan. Quel match aussi. On n'en parle pas, mais les gars, quel match aussi de Gundogan. Quel match il nous a sorti au match aller. Ça a été incroyable. Lamine Yamal qui a eu une note de 7,6. Lewandowski 7,2. Rafinha, homme du match, donc une note de 8,9. Donc deux buts marqués par Rafinha. Du côté du Paris Saint-Germain, je l'ai dit encore une fois, il y a des changements. Il y a le retour aussi d'Hakimi. Donc Marquinhos, donc aujourd'hui, va jouer donc dans l'axe avec Lucas Hernandez.
Donc Lucas Beraldo donc aujourd'hui est sur le banc. Donc on aura dans l'axe Marquinhos et Lucas Hernandez. Donc Hakimi va retrouver quand même son couloir droit. Nuno Mendes donc va jouer sur le côté gauche, donc au milieu de terrain. Quel match aussi de Vitinha, hein. Il a été incroyable. Hein. Vitinha aujourd'hui quand même, donc au milieu de terrain avec Zaïre Emery et Fabien Ruiz. Et devant on aura Kylian Mbappé. Ça a été compliqué, on va voir aujourd'hui quand même Mbappé, ça doute. Donc il a beaucoup de choses à montrer. Hein. C'est un match important. Il sait aujourd'hui quand même, donc peut-être ça peut être son dernier match donc en Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. S'il veut continuer l'aventure, c'est maintenant. C'est à lui aujourd'hui quand même. Donc son match aller, ça a été compliqué, ça a été catastrophique. Là, c'est le match retour, c'est un match important. Avantage pour le Barça parce que le Barça a gagné donc le match aller. Mbappé donc avec Dembélé, sans doute son match va être compliqué avec les Catalans donc dans les tribunes. Et enfin, pour terminer avec Barcola, qui a fait quand même une très bonne entrée au match aller. On va voir. Là, si on regarde les statistiques, je l'ai dit encore une fois, le Paris Saint-Germain n'était pas assez ridicule. Hein. Si on regarde la possession, c'était 59% donc côté parisien et 45% donc côté 41% autant pour moi côté Barça. 18 tirs côté Paris Saint-Germain et 15 tirs côté donc Barça. 6 tirs cadrés, 7 tirs cadrés. Donc après, on a vu hein, ce qui s'est passé avec le reste donc des stats. Donc c'était pas assez réduit quel thème du Paris Saint-Germain, mais la deuxième période a été assez compliquée parce que là on n'avait pas compris donc pourquoi ce bloc bas. On a vu une équipe de Paris Saint-Germain quand même qui s'est cercée. Donc les gars, c'est ça ce qu'on peut retenir quand même donc du match aller. C'était un match quand même donc où le Barça n'était pas extraordinaire, mais le Barça a réussi quand même à gagner donc ce match. Là c'est un match important, le Barça est à domicile. Donc là je dis encore une fois, le Barça a l'habitude quand même de battre donc le Paris Saint-Germain sur ta domicile, même s'ils ont perdu quand même donc lors de la saison 2020-2021. C'était donc cette huitième de finale allait donc sur le score de 4-1. On se rappelle bien avec notamment ce triplé de Kylian Mbappé. Donc Mbappé qui a fait quand même donc un match aller compliqué. On va voir aujourd'hui quand même ce match retour en Ligue. On va voir ce match retour. Il reste quelques minutes avant le coup d'envoi de ce match. Ça va être un match intéressant. On va voir aujourd'hui quand même donc ce match. Les gars, j'ai hâte quand même. Hein. Ça fait longtemps que je n'ai pas commenté de match. Ah ouais. Et j'ai hâte quand. J'ai hâte vraiment, les gars. Ah ouais, carrément. J'ai hâte carrément, les gars, de commenter ces rencontres. Hein. Et j'espère vraiment qu'on va se régaler. Et là, ça se voit, hein. Ça se voit l'algorithme. Ça fait longtemps. Et là, ça paye. Attendez. Et les gars, n'oubliez pas, les gars, de donner votre pronostic dans le chat, hein, même si nous sommes moins nombreux, et ça se comprend. Parce que, les gars, ça fait vraiment. Ça fait des jours que j'ai pas fait de live. Hein. Et c'est normal, hein, c'est normal. Avec l'algorithme de YouTube, les gars, si tu n'es pas régulier, donc. Messieurs, en direct avec Man City Real Madrid, c'est quoi ça? Je suis en direct du coup. On me signale que je suis en direct sur. C'est quoi ça? Il y a un problème. Et pourquoi je suis en direct sur les Man City? Mais c'est quoi ça? Le Tangay by live, etc. Les gars, pourquoi je suis en direct? Je suis en direct sur un. Attendez. Est-ce que si je coupe ce live, ça coupe l'autre? C'est ça. Pourquoi je suis en. C'est bon. Là, c'était en direct. C'était. C'est ça. C'est trop bizarre, là. Attendez, je vais arrêter. Oui, c'était en direct sur. J'avais rien compris, les gars. J'avais rien compris. J'avais rien compris.
Ah les gars, n'hésitez pas à donner votre pronostic dans le chat, les amis. Hein. On est parti, les gars, pour. C'est quoi ce problème? Pour vous, allez, c'est de. Salut à vous, Sarl, comment tu vas? Ça fait un bail. Et j'espère vraiment que vous allez bien. Allez, attendez, les gars, je vais régler quelque chose. Hein, parce que là. Les gars, avec YouTube, là, c'est quoi ça? Là, il me notifie que. Qu'est-ce qui est restreint, là? Là, il me notifie, les gars, que mon live est restreint. C'est quoi ça? Attendez. Allez, je comprends rien, là. Live restreint, quoi? C'est quoi, ça? Le live est restreint, pourquoi? Mais non. Pourquoi le live est restreint? Live restreint, pourquoi? Et c'est fou du monde, quoi. Live restreint. Et attendez les gars, mon live est restreint, attendez les gars, je vais essayer de régler ça, je ne sais pas pourquoi. Avec mon live est restreint, peut-être c'est ça que... Il y a certains qui n'ont pas reçu de notification, d'autres... Je ne comprends pas, ouais. Voilà, je ne comprends rien. Ah, c'est trop bizarre là. C'est trop bizarre. Et salut à vous, membre, comment tu vas? C'est trop bizarre. Pourquoi live restreint là? C'est trop bizarre. C'est pas grave. Ah, c'est pas grave les gars. C'est restreint, je sais pas. C'est pas grave. Allez, quelques minutes les gars, avant le coup d'envoi de ce match. Quelques minutes les gars. Allez, pour voir entre le Paris Saint-Germain et le Barça. Donc, allez, qui va se qualifier les amis pour les demi-finales? Ça serait incroyable, non? Ça serait incroyable, non? Ça va être... ils vont venir, Illiman. Non, je ne pense pas. Parce que là, le live est restreint. Je ne sais pas pourquoi. Mon live est restreint. Ça signifie que donc... il y aura donc certains abonnés qui ne vont pas recevoir de notification et qui ne verront pas donc mon live. Ça, c'est sûr. Et le live donc ne va pas être proposé à d'autres personnes. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est le fait que j'ai... Ouais, c'est presque 2 semaines hein, sans faire de live, peut-être. Ou plus, hein, c'est plus 2 semaines. Hein. C'est plus que 2 semaines, hein. Presque 3. Donc, c'est peut-être ça. Hein. Je ne suis pas régulier en ces temps-ci, c'est vrai. Mais là, il m'a, j'ai reçu une notification qui me dit que là, c'est, le live est restreint. Et là, il y avait 2 lives, je ne comprends pas. C'est ça qui est bizarre.
Allez les gars, n'hésitez pas les gars, donnez votre pronostic dans le chat les gars. Le match va commencer dans quelques minutes, 20 minutes en plus précisément, entre le Barça et le Paris Saint-Germain. Il va falloir, si le Paris Saint-Germain les gars va aller chercher donc la qualification. Même si que les gars, moi vous savez, donc moi mon club c'est le Real Madrid. Hein. Donc là vous savez, là c'est le maintenant. C'est maintenant pour les Parisiens, donner donc 200% au plus pour aller donc chercher cette équipe donc de Barça. En regardant les gars le match aller, tu t'es dit que oui c'est possible. Paris a les atouts quand même pour battre le Barça. Oui, oui, carrément. Parce que là les gars, le match aller pour moi aujourd'hui quand même, Paris ne méritait pas de perdre. Même si la deuxième période était assez compliquée quand même pour les Parisiens. Parce que là j'ai vu quand même une équipe donc qui était quand même différente. Donc surtout la deuxième hein, qui était différente. Donc la première, ça va. Ils avaient pris quand même ses buts, mais la deuxième période quand même. Surtout donc le but marqué par Mbappé a marqué, comment dire, Dembélé a marqué. Donc après on a vu quand même ce but de Vitinha. Mais après il n'y a rien. Après il n'y a rien. On a vu quand même une équipe donc, qui jouait donc bloc bas et c'était compliqué. La rentrée de Pedri a tout changé. La rentrée de Pedri a tout changé. Donc Pedri a fait reculer quand même donc ce bloc donc parisien. Et après on a vu ce qui s'est passé. Il a délivré quand même une passe exceptionnelle. Maintenant c'est à aujourd'hui quand même donc d'aller chercher cette qualification. C'est un match important. Parce que là je l'ai dit encore une fois, les supporters, ils ont droit quand même de demander. Ils ont droit de demander. Là, on sait, c'est du côté du Barça. Là, sur les 6 rencontres, surtout du côté du Barça, Paris a réussi à battre donc le Barça 4 buts à 1. C'était la saison 2020-2021. On se rappelle bien de c'était les 8e de finale, ce match aller où Paris avait battu donc le Barça donc à l'extérieur. Donc 4 buts à 1, surtout avec un triplé de Kylian Mbappé. Et aussi un but, si je ne me trompe pas, de Moïse Kean. Donc là ils avaient réussi à battre donc le Barça. C'est la seule victoire quand même hein, où Paris a réussi donc à battre surtout donc à Barça à l'extérieur. Donc là c'est un match important. Là si tu gagnes tu passes, si tu gagnes pas donc c'est compliqué. Peut-être on aura des tours au but, on sait jamais. L'important c'est d'aller donc chercher cette qualification. C'est aussi donc de chercher cette qualification en demi-finale. Ça serait incroyable. Là ils demandent, c'est normal que les supporters donc veulent cette qualification. C'est normal qu'ils critiquent Kylian Mbappé parce que là le match aller, on a vu donc l'apport de Kylian Mbappé, c'était pas énormissime. On a vu Mbappé, il a eu un seul tir. Un tir donc de Kylian Mbappé. Et ce tir n'est même pas cadré. Donc là, ils doivent non seulement sortir quand même donc de leur bon cœur pour aller chercher cette qualification. Et c'est normal. C'est normal. Quand même, ça fait longtemps que tu les as abandonnés. Non, c'était pas ça. J'étais malade, donc. Et après, il y avait donc y a la corité, vous savez, donc c'était pour cela. J'étais malade, hein, pour dire vrai, j'étais malade. Hein. Mais Alhamdoulilah, on est là. Ça fait longtemps donc que j'ai pas fait de live. Hein. Et là, ça paye. Hein, bon. Je raconte carrément que si tu es sur YouTube, il va falloir. Tu dois être régulier, hein, c'est simple. Là, il n'y a pas photo. Si tu es sur YouTube, tu dois être régulier. C'est que les fans du Barça donc ne vont pas admettre c'est le PSG donc remonter donc le Barça. C'est possible, le score c'est 3-2. Hein. Pour moi, il n'y a pas de remontada. Aujourd'hui les gars, si on parle de remontada, c'est parce que tu as réussi quand même donc les gars. Donc on peut dire une correction au match aller, au match retour quand même tu. Mais 3-2 pour moi, si Paris gagne, c'est pas une remontada. Le score c'est 3-2 au match aller. Donc là si Paris gagne 1-0, ça fait 3-3 sur l'ensemble des deux matchs. Après on aura prolongation. Donc s'il y a tir au but, on est preneur. Là pour le Paris Saint-Germain, la qualification, qu'importe. Qu'importe ce qui va se passer après. Mais pour moi, Fermi, hein, on attend aussi Luis Enrique, hein, surtout ses changements, on a vu. Hein, donc lui, il admet qu'il a fait des erreurs, surtout au match aller. Asensio, j'avais pas compris donc pourquoi Asensio donc, avait démarré donc le match aller. Et aussi donc Kang Lin Lee aussi donc qui n'était pas ridicule quand même, quoi qu'on puisse dire au match aller, j'avais pas compris. Mais là aujourd'hui quand même on peut dire il a aligné peut-être l'équipe type du Paris Saint-Germain avec Zaïre Emery, Barcola, Hakimi quand même qui fait son retour. Pour moi les gars c'est intéressant. C'est intéressant de voir quand même donc ces hommes. Ça va être un match incroyable, ça va être un match exceptionnel. Là, aux Parisiens, d'aller chercher le Barça. C'est prenable pour moi ce match. Ce match, les gars, pour moi, Paris a les atouts pour gagner ce match. Carrément.
carrément. Même si le match allait en regardant donc cette physionomie, donc le match allait, tu te dis que comment le Paris Saint-Germain donc a pu perdre ce match? Tu te poses la question. Là, c'est maintenant. Pour moi, cette équipe de Barça est prenable. Hein. Pour moi, le Barça est prenable. Pour moi, ça est prenable. Allez, c'est le Madrilin qui parle. Hein. Carrément. Pour moi, le Barça est prenable. Hein. J'espère qu'ils vont perdre le... qu'ils vont perdre le Paris Saint-Germain. Et Mam, je le dis, hein. Paris a une très belle équipe. Donc peut-être on a donc... Et Mam, attendez. Non, désolé, Mam, j'ai supprimé ton message là. Mam, j'ai... Et désolé, Mam, j'étais bloqué quand même, Mam. Et Mam, j'ai touché mon téléphone, j'étais bloqué sans même pas en prendre. Et Mam, désolé. Attendez. Et Mam, j'étais bloqué. Et Mam, attends, je règle ça. Je règle ça. C'est terrible, hein. Allez. C'est bon, je t'ai débloqué si on ne tombe pas. J'ai bloqué même, pourquoi? Allez, quelques minutes les gars! Et n'oubliez pas les gars de votre pronostic, hein, même si nous sommes moins nombreux. Hein. Et on va faire quand même ce match. Hein, pour être à jour. Hein. Attendez, pourquoi je l'ai fait? Et même si tu m'entends, envoie un message. Même si tu m'entends. Dans ma djoum de voilà, dans ma djoum bosco. Dans ma djoum bosco. Tu n'es qu'un de envoie un message. Je ne sais pas si tu es toujours modo ou pas. Tu n'es qu'un de envoie un message. Envoie un message si tu as bien. Dans ma djoum bolaké, voilà. Désolé. Hein. Non, t'es plus modon si je pense bien. Allez gars, pronostic. Allez, c'est bon. Allez, on va voir. Allez les gars, même si c'est pas Camp Nou, donc avec ses 99 000 places. Aujourd'hui, on aura quand même les gars 54 367 spectateurs, les gars, qui vont regarder ce match. Un match important pour ces deux équipes. On sait le championnat pour le Barça. Pour moi, le Real donc va remporter donc là la Liga. Paris Saint-Germain, sans doute les Parisiens donc vont remporter le championnat. Mais aujourd'hui quand même, Paris rêve mieux donc. Et là pour continuer encore une fois les gars de rêver, il va falloir gagner une Ligue des Champions. Et là donc la qualification c'est maintenant. Là donc Kylian Mbappé peut-être joue son dernier match en Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain en 6 avant. Peut-être avec d'autres joueurs, que ce soit Marquinhos. Donc là c'est maintenant. Allez, chercher cette qualification. On ne demande pas plus. Hein. On ne demande pas plus. Aujourd'hui, c'est Paris. On est bon. Allez, on est bon les gars. N'oubliez pas les gars de nouveau pronostic en banquette. Hein. Allez, on prend l'antenne. Allez, 10 minutes. Hein. 10 minutes. 10 minutes. Je vais les bloquer. Sans me rendre compte. Oui, j'ai un problème, je sais pas. Il n'y a que toi qui a un problème aujourd'hui, qui va parfaitement bien de mon côté. Je sais pas, c'est peut-être le fait que lui m'a gagné live, moi, hein. Peut-être là. Peut-être que moi, toi, il y a que peut-être que là, moi. Et ça se comprend. Hein. YouTube, les gars, c'est ça. Hein. Tu n'es pas régulier. Dans live nous Paris donc la sauteur et lui a de live au algorithme voilà lui propose à cette vidéo c'est compliqué hein. Là nous venons pour les réguliers hein. tu live là si tu es régulier donc ça live donc que lui propose mais n'est pas régulier donc comme moi c'est comme ça ces temps-ci j'étais régulier mais ces temps-ci donc j'avais fait quand même donc une pause de presque 3 semaines hein. Et ça, c'est... Et regardez, c'est ça le résultat.
et ça c'est le résultat. On va se rattraper. On va faire plus de live encore. Là donc j'étais malade et ça se comprend. Il y avait la corité aussi donc. Et après, on va faire demain, on va faire la Ligue des Champions. Mardi, on va faire la Ligue Europa. Vendredi, je ne sais pas s'il y a match ou pas, on verra. Donc, on va continuer. On va aller, les gars. On va récupérer encore une fois. On va les récupérer. On va faire plus de live. Parce que c'est ça. Hein. Donc, c'est ça. On va faire plus de live. Là, on récupérera quand même, les gars, notre place. Allez, on va récupérer notre place. Parce que là, à défaut de ne pas, de faire une pause, donc, le résultat est là. Allez, les gars, 9 minutes. Allez, avant le coup, avant de ce match. 9 minutes, donc, les gars, pour voir les 45 premières minutes entre le Barça et le Paris Saint-Germain. Et les gars, qui peut me dire, la première fois où les deux équipes, les gars, sont croisées en Ligue des Champions. Qui peut me rappeler, les gars, l'année, ou même la saison où les deux équipes, les gars, sont croisées. Je parle Barça, Paris Saint-Germain, bien sûr. Qui peut me dire, les gars, la première fois où les deux équipes, les gars, sont croisées. Qui peut me rappeler l'année, la saison. Qui peut me rappeler ça, les gars. Je n'ai jamais supporté. Ça va commencer. Je ne sais pas si ça a jamais pour deux. Mais l'important, c'est aujourd'hui quand même de voir qu'est-ce que cela va donner. N'hésitez pas les gars de liker. Hein. Peut-être si vous likez les gars, le fait que le live est restreint. Donc, n'hésitez pas les gars de liker. Hein. N'hésitez pas les gars de liker. Les 25 personnes qui sont là, n'hésitez pas les gars de liker. Hein. C'est important. On est bon les gars. Allez l'Olympique donc Luis Campanis donc de Barça. Allez, prêt les gars pour accueillir cette carte de finale retour. Allez Barça, Paris Saint-Germain. Le Barça pour l'instant à l'avantage. Le Barça donc qui a battu cette équipe de Paris Saint-Germain. Vous match allé donc 3-2. Même si qu'il y a plus de buts à l'extérieur maintenant pour les Parisiens. Gagné avec 2 buts d'écart pour éviter quand même les prolongations, peut-être les tours au but. Là qu'important, si Paris gagne quand même donc avec un but d'écart, on aura donc des prolongations, peut-être des tirs au but. Mais l'important donc pour les Parisiens, c'est la qualification demi-finale. On sait Barça aussi hein, avec Xavi qui a annoncé quand même son départ. Je le dis encore une fois, depuis que Xavi a annoncé son départ, Barça ne perd plus. Barça 10 victoires donc avec 3 matchs nuls depuis qu'il a annoncé son départ hein, au mois de janvier. Donc là, ça se voit quand même carrément que les joueurs sont impliqués. Et là, peut-être le rêve, sa vie avant de quitter, donc, c'est les tracteurs. Hein. C'est qu'ils voulaient quand même que sa vie quitte. Donc, Barça, c'est eux aujourd'hui quand même les gars qui veulent que sa vie reste. C'est incroyable. Ceux qui voulaient que sa vie quitte Barça, c'est eux quand même qui veulent aujourd'hui quand même que sa vie reste. Parce que là, je le dis encore une fois, depuis qu'il a annoncé son départ, Barça reste sur 10 victoires et 3 matchs nuls. Là, ça va pour le Barça. Et maintenant, s'il y a qualification en demi-finale, donc pour moi aujourd'hui quand même le Barça peut aller chercher pourquoi pas cette finale. Hein. C'est possible. Ça serait incroyable quand même. Avant peut-être sa vie. Avant de quitter le Barça, peut-être qu'il va gagner la Ligue des Champions. On sait jamais. Donc là, s'il y a un cas de qualification, tout est possible. On est bon les gars, 5 minutes avant le coup d'envoi de ce match. Allez, le stade est plein à craquer. Il y a du monde. Allez, j'espère vraiment les gars qu'on rompt. Ah, allez là, le football. Les gars, j'ai regardé quand même les matchs allés donc à la maison. Et c'était le match aller, c'était mercredi. Mardi, c'était l'un de mes corités. Ah non, attends pour moi. Mardi non. Mercredi, mon équipe. Allez, c'est là. Et j'ai regardé les matchs allés à la maison, les gars. Magnitog du roule avec Mané. Ouais, il part là. On est bon. Allez, ils sont là. Allez, dans des. Aïe. Ah là. C'est maintenant. Allez, je fais ça. N'hésitez pas, les gars, de liker. Hein. Puisque vous likez, les gars, le problème sera résolu. Puisque vous likez, les gars, le problème sera résolu.
On observera les gars de près aussi le match de Dortmund à Atletico donc. Allez, faites-nous régaler, on ne demande pas plus. Allez, allez. Aïe, aïe, aïe. Allez, on voit la concentration quand même des Catalans. Allez, ça va bouger dans quelques minutes. On y est, on y est, on y est. Allez, la concentration de Donnarumma aussi, Vitinha. Quel match quand même qui nous a sorti au match aller. Allez, Vitinha qui a été exceptionnel. Hein. Exceptionnel du côté donc du Paris Saint-Germain. Du côté du Barça aussi, on a donc... Rafinha, allez, qui a claqué donc les gars se doubler. La totalisation aussi de Barcola. C'est bon les gars, c'est maintenant le match. La sortie tout à l'heure des Vénézacteurs. Allez. 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 Et n'hésitez pas les gars, encore une fois, le télécharger l'appli en SofaScore. On a vu tout à l'heure hein, donc les résultats sur tous les stades du match aller. Allez gars, plus que vous likez, le problème sera résolu. Hein. L'algorithme va. C'était incroyable, ouais, c'était incroyable, non. C'était incroyable. C'était incroyable. Allez, n'hésitez pas les gars, t'es servi la pli hein, pour tous ceux qui sont là. Allez, SofaScore toujours. Allez, on est bon. Allez, ils sont là, la concentration. On va voir quand même le... Allez, ce sourire quand même de Cancelo. Allez, c'est important ce match. Bonsoir, Eli. On aura les images ou bien... Non, non, là, c'est la Coupe d'Europe, maintenant. Barça Paris Saint-Germain 2020 4-1. Ouais, c'est les dernières rencontres. Donc là, c'était là. On est bon, les gars. Les vieux acteurs sont là. Allez, qui foutent donc la poule du stade olympique. Les Viscompanis. Avec 54 367 spectateurs qui regardent ce match. Qui sont dans les tribunes. C'est maintenant, les gars, cette qualification pour le Paris Saint-Germain ou pour le Barça. C'est un match important. L'équipe qui gagne. S'il y a match nul, le Barça va passer. Le Paris Saint-Germain doit. Soit donc gagner ce match, soit deux buts d'écart pour éviter les prolongations, soit gagner donc au tour au but, aux prolongations. On verra quand même donc qu'est-ce que cela va donner. Kylian Mbappé qui a raté quand même son match aller. Mbappé est là, on est bon les amis. Allez ce match, allez, l'hymne de la Ligue des Champions qui retentit les amis, on est bon, on est bon. Aïe, 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 la pression monte. La pression monte, on sait que l'important pour les Parisiens quand même, surtout la Ligue des Champions. L'important de jouer cette compétition. Et là, si le Paris Saint-Germain, donc, vous continuez de rêver, c'est maintenant. Ah ouais, ça commence dès maintenant. Éliminer donc le Barça, comme lors de la saison 2020-2021, même si c'était en huitième de finale. Mais Paris avait réussi quand même donc, à éliminer donc, le Barça, en battant le Barça à domicile. Hein. À l'extérieur, surtout pour moi, 4-1, avec notamment ce fameux triplé de Kylian Mbappé. Là, c'est un quart de finale retour. Et l'avantage donc est pour les Catalans. Maintenant le Paris Saint-Germain a droit de rêver. Maintenant le Paris Saint-Germain a quelque chose qui est mort. À vendre. Allez, les Parisiens sont là. La concentration de l'autre côté. Avec ce panne de main, on voit quand même Hakimi, Kylian Mbappé. Il sait Mbappé. Ah, il sait. Ah, il sait. Il sait aujourd'hui quand même que il n'y a pas autre chose à chercher. Hein. C'est la qualification. Ah ouais. Ah ouais, Kylian. Ah ouais, Mbappé. Ah ouais, Kiki. Il n'y a pas autre chose. Ah ouais, Kiki. Allez, les compos, les gars. Allez, on va voir donc cette compétition de Barça avec Ter Stegen, Araujo. Allez, Kouvarsi. Allez, Koundé. Gundogan, Cancelo. Pedri, De Jong devant Noura, Lamine Yamal. Robert Lewandowski pour terminer avec Rafinha. Allez, qui était homme du match hein. Qui a été désigné homme du match au Massalé. Allez, du côté du Paris Saint-Germain, on a Donnarumma, Marquinhos, Lucas Hernandez, Hakimi, Nuno Mendes, on a Fabian Ruiz, Vitinha, Dembélé, Zaïre Emery, Barcola et pour terminer avec Kylian Mbappé. Allez, on est bon les gars. Allez, ça commence. Hein. C'est maintenant. C'est maintenant, les gars. Allez. C'est maintenant les amis, on est bon, on est bon, on est bon, on est bon, c'est la Ligue des Champions, c'est la plus belle des compétitions. Allez, on fait notre retour en Ligue 1.
Allez, avec... Allez, on était absent. Mais aujourd'hui, les gars, on fait quand même pour comeback. Hein. Et n'hésitez pas, les gars, de liker. Hein. Pour tous ceux qui sont là, n'hésitez pas, les gars, de liker encore une fois. Et c'est vraiment, les gars, qu'on va se régaler aujourd'hui. Et sans doute, on va se régaler. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Allez, Vitignan, Dembélé, Mbappé. Ton 4-4 au jeu, donc ils m'ont raté quand même, donc les demi-finales, allez. Allez, on est bon. Allez, comment ça l'homme, allez, on voit quand même le discours tellement important d'Hakimi. Il était absent au match aller, on l'a vu quand même, donc au match aller, il était donc dans les tribunes. Et là, on voit sa vie, hein, la concentration de Kylian Mbappé, peut-être, on peut dire, il dit dans sa tête que peut-être c'est mon dernier match avec le Paris Saint-Germain, j'ai raté, donc il y avait beaucoup de critiques au match aller. Là, c'est maintenant que je dois répondre présent, il sait. Allez, le coup d'envoi va tourner les gars pour ce match entre le Paris Saint-Germain et le Barça. C'est le match retour, ce match tellement tant attendu ici. C'est maintenant, et c'est Kylian Mbappé qui va donner donc le coup d'envoi de ce match. Paris a perdu donc au match aller et Paris doit gagner pour espérer qu'un clan à la qualification. C'est parti les gars pour ce match entre Barça et Paris Saint-Germain. 54 367 spectateurs. Regarde ce match. Les stades plein à craquer. Allez, bon, on va récupérer quand même par les Parisiens. Allez, contrer. Allez, ça se rend tous. Allez, tous récupérer quand même par sur le côté gauche avec Nuno Mendes. Allez, qui va jouer derrière. Ça revient. Allez, dans les pieds quand même de Lucas Hernandez. Allez, qui va trouver son compère défensif, le capitaine. Allez, Marquinhos. Allez, Marquinhos pour Lucas Hernandez. Allez, Hernandez qui va décaler sur le côté gauche. Ça revient encore une fois. On va récupérer tranquillement avec. Allez, le contrôle tranquille de l'autre côté. Allez, vers Donnarumma. Allez, Donnarumma qui va trouver quand même. Allez, Marquinhos. Allez, Marquinhos qui décale sur le côté droit. C'est bien joué de la part de Marquinhos. Vers Hakimi. Attention, la passe d'Hakimi devant. Allez, pour aller faire 6 points de Dembélé. La déviation, ça revient toujours. Allez, on va récupérer derrière. Attention, on va le récupérer quand même par Pedri. Quel match qui nous a sorti au match aller. Allez, Pedri derrière. Ça revient avec, avec Koundé. Allez, Koundé pour De Jong. De Jong, allez, tranquillement. Le pressing quand même de Zaïre Emery. Mais De Jong va décaler derrière, on va récupérer quand même par Alvaro. Allez, Alvaro, la passe d'Alvaro dans l'euro central. Attention avec le contre tranquille, quand même, les manettes qui vont permettre de récupérer par Lucas Hernandez. Attention, la passe devant. Alors, on va prendre le but, on va passer Mbappé. Mbappé. Et il n'y a absolument rien du tout. Attention, l'intervention quand même de Kubasi. Et l'arbitre a jugé quand même qu'il n'y avait absolument rien du tout. Attention, attention, c'est quand même le danger numéro 1 côté parisien, c'est Kylian Mbappé. Allez, on va récupérer quand même par Alvaro. Allez, qui va relancer devant. Attention, on va pouvoir le récupérer quand même dans l'entrejeu. Avec le contrôle tranquille d'Hakimi. La passe d'Hakimi pour aller chercher Mbappé. Allez, va rencontrer Lévi encore une fois dans le pied quand même de Zaïre Emery. Zaïre Emery pour Mbappé, ça passe. Allez, Zaïre Emery toujours. Attention, il est trois, il est sur devant. La passe de Zaïre Emery à profondeur. Attention, la couverture, on va récupérer quand même par Cancelo. Allez, le dégagement de Cancelo, ça démarre. Ça démarre, les gars, sur les tapots de roue. Et là, on sait. Allez, je mets les stades. Je mets rapidement les stades. Je mets les stades. Allez, ça commence en Ligue 1. Ça commence. Allez, ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Allez, je mets les stats. Allez, je mets les stats. Allez. Allez, je mets les stats. Allez, allez, on va récupérer Kemba par Zaïre Emery. Allez, la passe, elle est pour Vitignan. Allez, Vitignan derrière, allez, qui décale sur le côté, on va récupérer quand même par Marquinhos. Allez, tranquillement, Marquinhos qui va essayer d'avancer la passe de Marquinhos. Allez, qui trouve entre les lignes avec Zaïre Emery. Allez, pour Vitignan. Allez, Vitignan pour Lucas Hernandez. Allez, Hernandez tranquillement, allez, qui garde la balle. La passe d'Hernandez qui décale sur le côté, on va récupérer par Marquinhos. Allez, Marquinhos toujours. Allez, Marquinhos, allez, qui trouve sur le côté gauche, bien joué de la part de Marquinhos. Allez, pour décaler quand même pour Nuno Mendes. Allez, la passe de Mendes devant, on voit quand même, c'est donc Catalan qui a assis un peu de temps au milieu de terrain. Allez, on va récupérer par Hernandez. Allez, tranquille. Allez, Hernandez, la passe devant. Allez, c'est bien joué avec. Bon, on va récupérer quand même par Fabien Ruiz qui va trouver Barcola. Allez, Barcola pour aller dessus. Koundé, Barcola toujours. La passe vers Fabien Ruiz dans la surface. Attention, le contre de Fabien Ruiz qui donne facilement le centre de Fabien Ruiz. Ça revient. Pourquoi pas cette frappe de Vitignan. Allez, cette frappe contrée. Allez, on va récupérer par Lewandowski. Attention, il y a faute d'Afrique qui va se battre. On va récupérer par Rafinha. Et là, il va revenir. Il va revenir. Il va revenir. Cette faute, c'est Sardé quand même sur Robert Lewandowski. Allez, on a vu quand même cette passe quand même vers Fabien Ruiz. Allez, l'accélération de Barcola. On sait quand même l'importance quand même qu'à Barcola. Allez, quel match. Allez, il commence fort. Hein. Ça démarre fort. Hein. Ça démarre fort, hein, les gars. Ça démarre fort, les amis. Allez. Allez, n'hésitez pas, les gars, de liker. Hein. N'hésitez pas de liker, les amis. Allez, on va récupérer quand même pas un euro. Allez, qui va tourner derrière, on va récupérer par Ter Stegen. Allez, tranquillement, allez, Ter.
Allez, tire la part de Terre devant. Attention à la déviation tranquille qui aime de la part de Pedri qui tombe sur le côté gauche. En récupéré par. Allez, Kubasi. Allez, Kubasi vers Cancelo. Allez, Cancelo pour Kubasi. Allez, Kubasi pour Ter Stegen. Attention, le pressing de Kylian Mbappé. Le dégagement devant. Attention avec le contrôle. Soyez quand même de la part de Lewandowski. Allez, qui trouve derrière. Avec De Jong. Allez, De Jong toujours la part de De Jong qui dégage sur le corner. Bonne contrée récupérée. Pourquoi pas. Et c'est le point de la rencontrée quand même par Koula. Et le dégagement de Ter Stegen. Ça revient dans l'entourage. Attention avec le contrôle de Lewandowski. Le pressing quand même du Parisien. Bon perdu. Récupéré par Lucas Hernandez. Allez, Hernandez toujours avec Pedri. Attention, Pedri. Allez, duel gagné par l'Espagnol qui va trouver quand même pour l'international français avec Koundé. Allez, les gars, ça démarre fort, les gars. Les gars, ça démarre fort, hein, carrément. Allez, quelle intensité quand même, les gars, mais par les Parisiens. Là, on voit quand même ce bloc parisien qui est assez haut. Hein. Allez, carrément. Ah, ils sont tous impliqués. Hein. Allez, c'est ton match important. Là, c'est ton quart de finale retour. Allez, on va récupérer Kempara, Araujo. Allez, Araujo derrière. Allez, tranquille, pas de solution. Allez, il va jouer derrière. Allez, pour Twi, Kem De Jong. Allez, De Jong, allez, sur le pressing Kem de Zahid Mbi. Mais De Jong va trouver Kem sur le droit. On va récupérer Kempara, Araujo. La passe de Araujo, il va passer la viation de Mendeski. C'est bien sûr la part de Mendeski. Allez, qui trouve sur le côté vers la ville Yamal. Allez, Yamal, Yamal face à Nuno Mendes. Attention, le centre de Yamal, ça revient. Allez, on a perdu. Allez, récupéré par Hakimi. Hakimi toujours, la passe d'Hakimi devant. Allez, pour trouver Kylian Mbappé en profondeur. Allez, va garder la balle tranquillement. Allez, Mbappé face à Kubati. Mbappé, l'appel de Dembélé sur le côté. Mbappé, attention, il va aller donc en solo. Mbappé toujours, les dribbles de Mbappé. Allez, derrière avec Dembélé qui va laisser passer. Bon, on va récupérer quand même sur le droit. Allez, tranquillement, de la part quand même d'Hakimi. Hakimi derrière, ça revient toujours dans l'entrée. On va récupérer par Lucas Hernandez. La part d'Hernandez devant, ça revient avec Barcola. Allez, Barcola toujours derrière avec Nuno Mendes. Ça tourne de gauche à droite. Allez, Nuno Mendes tranquillement. Allez, qui va trouver quand même dans l'entrée. Bon, on va récupérer quand même par Marquinhos. Allez, Marquinhos qui trouve sur le côté droit. Allez, pour Dembélé. La passe de Dembélé derrière, ça revient avec Hakimi pour Dembélé. Attention, Dembélé, l'accélération de Dembélé, 1-2-3. Ça joue bien de la part de Dembélé. Allez, qui décale pour le côté gauche, bien joué vers Barcola. Allez, Barcola toujours. Barcola, la passe de Barcola pour Fabien Ruiz. Attention, le conseil. L'offre de Fabien Ruiz. Allez, contre Kem par Araujo, ça revient toujours. La déviation dans la surface, pourquoi pas le centre. Allez, on va récupérer Kem par Dembélé. Attention, peut-être avec son pied droit, le centre de Dembélé contré. Et corner pour le Paris Saint-Germain. Allez, quelle entente de match! Quelle entente de match des Parisiens! Aïe! Quelle entente de match des Parisiens! Allez, corner! Quelle entente de match, les gars! Quelle entente de match! Allez, corner pour les Parisiens! Allez, on va suivre de près ce corner! Allez, on voit Ter Stegen! Allez, qui est en train de pousser Fabien Ruiz! Allez, c'est Dembélé! Allez, c'est Dembélé qui va porter ce corner. Allez, corner. Allez, quelle intensité, quelle entame. Allez, Dembélé, corner tiré par Dembélé. Et la tête de Lewandowski qui repousse. Et ce ballon sort en tous. Allez, quelle entame de match des Parisiens. Quelle entame de match des Parisiens. Allez, corner. Allez, tous. Allez, sur le gros droit. Hakimi pour Zahid Emery. Attention, Hakimi. C'est Hakimi qui va essayer de passer, on va contrer, récupéré par Cancelo. Allez, qui va se mettre sur le côté, on va récupérer tranquillement. Avec double contact, allez, ballon perdu. Encore une fois par les Catalans. Allez, récupéré par les Parisiens avec Fabien Ruiz. Allez, Fabien Ruiz, attention avec Vitinha. La part de Vitinha qui dégage sur le coup de gauche. Bien sûr, la part de Vitinha pour Nuno Mendes. Allez, Mendes pour Barcola. Attention, Barcola, il va accélérer. Barcola face à Koundé. Barcola toujours. Il va revenir vers Nuno Mendes. Allez, tranquillement vers Kylian Mbappé. Allez, Mbappé qui décroche. Mbappé toujours. Et l'accélération de Mbappé toujours. Attention, Mbappé. Le centre de Mbappé. Attention, Yamé ou pas. L'arbitre n'a pas bronzé. Ballon dégagé par la défense. Tetelan. Allez, ça revient. Toujours pour les Parisiens. Quelle entame de match. Quelle entame de match, les amis. Allez, avec Nuno Mendes. Allez, dans le rond central. Avec Marquinhos. Allez, Marquis. La part de Marquis devant. Allez, tranquille. Allez, pour trouver Kemp Dembélé. Attention, Dembélé. Dembélé qui va essayer de passer. Et duel gagné quand même par Cancelo. Et ça sort quand même à tous. Allez, si le Paris veut marquer, les gars, c'est maintenant. Palier dans son temps fort. Et c'est maintenant. Allez, bon pour Zahid Mbi. Allez, Zahid derrière. Avec Lucas Hernandez. Allez, Hernandez pour trouver quand même Nuno Mendes tranquillement. Allez, Nindo. La passe de Nindo devant vers Zahid Mbi. Allez, sur le pressing quand même de Lewandowski. Mais il va s'en sortir. Il décale sur le côté vers Marquinhos. Allez, Marquinhos pour Dembélé. Allez, Dembélé toujours. Il y a Hakimi. Il va trouver Hakimi. Hakimi qui va jouer encore une fois avec Dembélé. Attention, Dembélé qui vient facilement son vis-à-vis. Et la glissade derrière quand même de Dembélé. Il est quand même par les supporters catalans. Et salut à vous, mon frère. Talent, ça fait un bail. Et gagne, non, mon allen, mec. Voilà. YouTube m'a manqué, les gars.
Les gars, YouTube m'a manqué en ces temps-ci. Ça fait vraiment, les gars, ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. Ah, YouTube m'a manqué. Hein. Ouais, les gars, YouTube m'a manqué. Hein. Allez, on va récupérer quand même. Je sens déjà la fatigue. YouTube m'a manqué, les gars. Mais on est de retour. Hein. On est de retour, les gars. Et mon frère, Gunny. Gunny à la déc. Allez, on va récupérer quand même par les... Allez, par les Parisiens avec Lucas Hernandez. La passe d'Hernandez derrière, pas d'erreur. Avec Donnarumma. Allez, la passe Donnarumma qui décale sur le droit, tranquille vers Marquinhos. Marquinhos toujours. Allez, pour Hakimi. Allez, Hakimi qui va allonger devant. La passe d'Hakimi devant. Allez, pour aller sur le côté. On va récupérer quand même par Mbappé. Allez, Mbappé face à Araujo. Ça, c'est le 4 à Araujo. Et il est important quand même donc, de voir. Hein, de suivre cette nuit à Araujo qui vient de Mbappé. Et là, on a vu. Hein, Araujo qui a perdu quand même. Donc, il vient de prendre le et après, il s'est rattrapé avec ce tacle. Allez, tous, jouez rapidement avec Kylian Mbappé. Allez, Mbappé va essayer de changer complètement le sur le côté gauche. Bien joué vers Barcola avec le contre tranquille. Barcola toujours. Allez, Barcola, pourquoi pas vers la surface. Le dribble d'Arcola. Barcola face à Koundé. Pas de solution. 1, 2, 3. Barcola toujours qui garde la balle. C'est bien joué vers Vitinha. Allez, Vitinha qui décale vers Zaïd Embi. Vers Hakimi. Allez, le contre d'Hakimi. Hakimi pour Zaïd Embi. Ça tourne encore une fois. Il est Mendes. La passe de Mendes. Allez, Mendes tire à son passe. Mendes tire à son passe. Et c'est bon, on saura tous. Allez, c'est un fan de match. Quelle intensité. Quelle intensité des deux côtés, les gars. Quelle intensité, les amis, des deux côtés. Là, on se régale. On se régale, les gars. On se régale. Allez. Allez, tous. Allez, tous récupérer quand même par les Parisiens. Allez, sur le côté gauche. Allez, jouez rapidement par Nuno Mendes. Allez, derrière, pour Hakimi. Allez, Hakimi tranquillement avec Fabian Ruiz. Allez, Fabian Ruiz pour Nuno Mendes. Attention, le pressing derrière, Kevin Lamine Yamal qui récupère la balle. Avec Gundogan. Allez, la passe de Gundogan qui trouve dans le rond central avec De Jong. Allez, De Jong toujours. Allez, pressé de près par Zaïd Embi, mais il va garder Kevin la balle. Il va scinder complètement le deux sur le côté avec le contrôle. Allez, soyez Kevin de la part de Lamine Yamal. Allez, tranquillement, allez, pour Koundé. Allez, Koundé pour De Jong. Attention avec le pressing de Zaïd Embi. Il y a faute sur De Jong et Koufro. Il y a faute sur De Jong et Koufro. Allez, qui va suivre rapidement ce Koufro. Allez, De Jong qui va trouver Kane sur le côté. Ça revient. On va récupérer Kane sur le côté droit avec le contrôle tranquille Kane de la part de Lamine Yamal. Allez, Yamal derrière avec Jules Koundé. Allez, Koundé tranquillement. Les gars, quel match. Hein. Les gars, quel match. Hein. 2000 sans doute, les gars. On va se régaler avec Real. Allez, on va récupérer par Araujo. Toujours avec l'appel de Yamal, il est servi à force avec Lamine Yamal. Allez, Yamal face à Nuno Mendes. Allez, qu'est-ce qu'il va nous sortir quand même. Allez, Yamal. Attention, Yamal avec sa patte gauche, ça passe. Yamal qui dérive facilement. Yamal. Quel travail de Yamal et Nuno Mendes, les gars, qui se fait déposer. Les amis de Nuno Mendes qui se fait déposer. Allez, comme on avance carrément. Là, quel travail de Lamine Yamal sur le côté gauche. Et là, les amis, Barça mais le bien seront. Et ça se voit. Paris qui fait une très bonne entame. Mais là, il suffit, les gars, d'avoir une seule occasion pour le Barça. Et là, de marquer. Quel travail de Yamal. Quel travail de Yamal. Et encore une fois, Rafinha comme un renard de surface qui vient couper ce ballon. Hakimi est en retard. Et là, ça fait 1-0. Allez, qui marque. Qui marque, ouais, c'est Rafinha qui marque. Et là, les gars, ça fait. Aïe, les gars, c'est terrible. C'est terrible pour les bas. Les gars, c'est terrible. Encore une fois, une très bonne entame. Comme au match aller, les gars. Où Paris fait une très bonne entame. Et après, c'est Rafinha qui marque après. Allez, les gars. C'est terrible, et là ça fait 1-0. Et là ça fait 1-0. Aïe. Et ça bouge encore une fois. Aïe, Barça, il suffit pas de faire une très bonne entente pour les 14 de marquer. Allez, on va récupérer quand même sur le côté droit. Attention, ça revient encore une fois de l'autre côté. Elle est tranquille avec Dembélé. Attention, le dribble Dembélé. Dembélé qui va se le passer. Il a trop poussé son ballon. Il a trop poussé son ballon, Dembélé. Aïe, on voit Lucien Riquet, les gars, qui... Lucien Riquet qui tient Barça 3, PSG 0. Ouais, ça se complique, là. Là, ça se complique.
Et ça se complique. Ouais, ça se complique, hein. Ça se complique. Allez, on va récupérer Kane sur le côté droit. Attention à l'emportement avec le contrôle de Yamal. Ouais, il a, les gars, Yamal, il a déposé facilement Nuno Mendes. Allez, on va récupérer Kane par Barcola. C'est possible, hein. Pour les Parisiens, il n'y a que deux buts d'écart. Allez, on va récupérer Kane par Barcola. Allez, Barcola toujours. Quel intermotif, le petit pont de Barcola. Ah, il a proposé son ballon. Et voilà, tapé tranquillement par Ter Stegen. Ouais, ça va être difficile. Hein. Je ne sais pas, les gars, il y a quoi avec la défense, mais... Le Nuno Mendes, les gars, qui se fait déposer facilement. Allez, c'est incroyable. C'est incroyable, les gars. C'est incroyable. Allez, dégagement devant. Allez, ça revient avec la déviation. Kim de Koundé. Allez, Koundé qui s'est mal géré. Ce ballon se rend tous. Allez, ce ballon se rend tous. Allez. Ballon récupéré derrière avec Marquinhos. Allez, Marquinhos pour Lucas Hernandez. La passe d'Hernandez devant. Attention, le contrôle tranquille de Barcola. C'est bien joué la part de Barcola. Elle la passe vers Fabian Ruiz. Allez, Fabian Ruiz. Fabian Ruiz pressé de près par Pedri. Attention, le dribble de Fabian Ruiz. Ça passe. Allez, attention avec le retour quand même d'Araujo. Il est important. Il est exceptionnel Araujo. Allez, la passe d'Araujo. Allez, ballon récupéré quand même par Yamal. Allez, Yamal encore une fois. Quel match pour les 100, les amis. De Lamine Yamal. Quel match, les amis, de Lamine Yamal pour les 100. Aïe, 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 il nous régale. Quel match pour les 100, les amis de Yamal. Waouh. 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 Quel match pour les 100, les gars de Lamine Yamal. Allez, on va récupérer quand même de l'autre côté. Ça vous a encore une fois. Allez, derrière, attention avec le contrôle. Et la foule sera Lewandowski et en coup franc. Ouais, ça se complique. Ça se complique. Même s'il reste du temps, mais. Mais c'est insuffisant pour le moment. C'est insuffisant pour le moment. Allez, on va récupérer quand même sur le côté gauche. Allez, tranquillement. Allez, la passe devant. Attention avec le contrôle. Allez, le contrôle manqué. Le contrôle. Allez, c'est contrôle manqué. Ça vous va récupérer quand même par les Parisiens. Avec Hakimi. Allez, la passe d'Hakimi derrière. Allez, pour trouver Marquinhos. Allez, Marquinhos pour son gardien Donnarumma. Il a suffi, les gars, d'occasion pour les 4 ans de marquer. Allez, Marquinhos. Allez, pour trouver quand même Lucas Hernandez. Allez, Hernandez pour Nuno Mendes. La passe de Nuno Mendes devant. C'est bien joué de la part de Fabien Ruiz. La déviation avec moi récupéré par Vitinha. Et la passe pour de Barcola. Il n'a pas vu. Allez, Vitinha toujours. Allez, Vitinha toujours qui avance. Et il va trouver quand même Barcola. Attention, Barcola qui va armer. Pourquoi pas la passe sur le côté gauche. Fabien Ruiz. Le centre de deux poteaux. Allez, pour aller chercher Dembélé. Et le retour quand même de Cancelo qui met son corner. Allez, corner pour le Paris Saint-Germain. Allez, corner pour le Paris Saint-Germain. Allez, corner pour les Parisiens. Allez. Allez, allez, jouer à la remonte rapidement avec Hakimi. Allez, Hakimi, le centre d'Hakimi. Pourquoi pas ? Allez, c'est tête de Mbappé qui passe largement. Allez, allez, Mbappé qui manque, qui rate sa tête. Kylian Mbappé qui rate sa tête. Allez, on sait. Lui, peut-être, il joue son dernier match en Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. On sait jamais. Hein. On sait jamais. Hein. Nuno Mendes, il braille. Oui, il s'est fait déposer, les gars, facilement. Allez, on va récupérer Kane par les Catalans. Avec Kubati. Allez, Kubati. Allez, la passe de Kubati sur le côté gauche avec Cancelo. Allez, Cancelo tranquillement. Allez, pressé par Dembélé. Il va trouver derrière son gardien. On va récupérer par Ter Stegen. Allez, Ter Stegen toujours. Allez, Pierre. Allez, pour Araujo. Quel match pour les 100. De la part d'Araujo, c'est solide. Défensivement, il est solide. Araujo qui allonge devant, la passe d'Araujo devant. Attention à la déviation de Lewandowski, ballon perdu. Allez, récupérer quand même par Nuno Mendes. La passe de Mendes derrière. Allez, pour Puy, quand même Lucas Hernandez. Allez, la passe d'Hernandez sur le côté gauche vers Nuno Mendes. Toujours, ça revient toujours dans les pieds quand même du français. Allez, qui va trouver Marquinhos. Allez, Marquinhos toujours. Allez, Marquis. Allez, Marquis pour Lucas Hernandez. Allez, Hernandez toujours sur le côté gauche. On va récupérer quand même par Nuno Mendes. Allez, la passe de Mendes derrière. Allez, pour Hernandez. Allez, Hernandez, l'appel de Vitinha donc entre les lignes, il n'est pas servi, attention. Allez, Vitinha qui va décrocher pour venir chercher la balle. Maintenant pour Marquinhos, Marquinhos sur le droit. Allez, pour Zaïd Embi, Zaïd Embi, il est trop bas, Zaïd Embi. Maintenant pour Vitinha, la part de Vitinha, attention, pour faire le premier jeu, la part de Vitinha, attention, Dembélé. Allez, Dembélé qui va se le passer. Et le tactique exceptionnel de Kubati. Et les gamins restent au sol. Ouais, il est bon, carrément ce Kubati. Hein. Allez, Dembélé en séant, les gars, ça va être un match compliqué pour lui. Hein. Les supporters, mais carrément. Allez, quel tacle, là. Il y a faute sur lui, hein. Ouais, carrément. Carrément. Allez. Mais il y a tout pour le Paris Saint-Germain. Allez, toujours rapidement. Allez, on va récupérer quand même derrière. Allez, on revient dans le rond central. Avec Lucas Hernandez. Allez, on est sur le côté gauche. Avec
Nuno Mendes, ça l'aide à passer de Mendes derrière tranquillement avec Lucas Hernandez qui va essayer de s'enlever les yeux sur le côté droit, c'est bien joué. Attention à l'intervention qui aime de Cancelo, vont récupérer par Rafinha, pour De Jong, avec Pedri, la passe en profondeur de Pedri, c'est bien joué la part de Pedri. Allez, qui trouve en profondeur Rafinha, le centre, allez tous vers les Vandosti, l'intervention derrière. Et voilà, dégagé un catastrophe pour Nono Roumain. Ah, ils se sont pas compris, hein. Ils se sont pas compris. Allez, quel talent c'est Pedri, quel talent c'est Pedri, les gars. Quel talent c'est Pedri. Aïe, 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 aïe. Le football, les gars, c'est l'intelligence en mouvement. Les amis, le football, c'est l'intelligence en mouvement. Et Pedri, quand même, les gars, est un parfait exemple, hein, carrément. Quel talent c'est Pedri. Quel talent c'est Pedri. Allez. Allez, l'arbitre, qu'est-ce qu'il y a? Les gars, déjà, on a joué 19 minutes. Hein. C'est énorme aussi. Allez. Allez, qui joue rapidement avec le dégagement d'Hakimi. Attention avec Kylian Mbappé, le contrôle de Mbappé. Allez, qui est pressé par un truc fort, par Alonso. Alonso qui gagne son deal, on récupère par Rafinha sur le côté gauche. Allez, tranquille. La partie en profondeur, ça revient toujours vers Rafinha. Le sable de Rafinha pour le poteau. Attention, l'intervention pour les Vandosti. La frappe. Oh, et un boisson de tout. Oh, c'est le bon boisson de Rafinha de les Vandosti. Aïe, 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 que l'opportunité qu'il y a pour les Catalans de doubler la mise. On va cette action qui est travaillée à la partie Rafinha. Le centre de Rafinha. Ballon dégagé par Nuno Mendes encore une fois. Et cette frappe de Lewandowski. Hein. Allez, cette frappe de Lewandowski qui passe dessus. Aïe, aïe, aïe. Quelle opportunité pour les Catalans de mener 2-0. Aïe, aïe, aïe. C'est compliqué, les gars. Pour l'instant, les gars, la défense parisienne est vraiment à la ramasse. Hein. Carrément, carrément. Surtout au milieu de terrain. Zaïre-Emery, je le vois, il est trop bas. Ah là 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 là, c'est compliqué. Vitinha aussi, on le voit passer. Et pour l'instant, on sait avec la présence de Pedri au milieu de terrain. On savait que les gars que ça allait être compliqué quand même pour les Parisiens. On sait Pedri quand même, c'est un joueur intelligent. Il se déplace bien. Allez, attention, on va récupérer quand même par Nuno Mendes sur le côté gauche. Allez, Mendes toujours. Allez, la passe de Mendes contrée, ça sort en touche. Allez, les gars, vous savez que là, toute l'alliation de Pedri, elle est tous en jeu. Allez, ça c'est bon. Ça se voit carrément. Allez. Allez, on va récupérer quand même sur le côté droit. Allez, tranquillement. Allez, la passe devant, ça revient toujours. Allez, récupérer quand même par Nuno Mendes. Allez, Mendes qui va essayer d'avancer. Allez, Mendes toujours, attention, pressé par deux joueurs. Il est 4 sur le côté droit. Avec les dégagements d'Hakimi devant, avec l'intervention quand même de Kubati. Et la passe devant, attention, peut-être avec... Lamine Yamal, allez, on va dégager par la défense, ça revient, récupéré par Cancelo. Allez, la passe de Cancelo est contrée quand même, ça revient toujours. Allez, le pied comme de Dembélé. Allez, on va récupérer sur le côté gauche. Allez, attention avec le dégagement devant. Je pense que le son est trop fort. Le son du stade est trop fort. Allez, allez, tout pour les Parisiens. Une très bonne entame. Et là, bam, ils ont pris en but. Allez, Nuno Mendes. Ouais, compliqué, hein. Il s'est fait déposer facilement. Allez, tout se fait rapidement. Attention avec l'intervention. Et la faute. Allez, la faute de Robert Lewandowski sur Lucas Hernandez. Allez, en courant. Allez, qui va jouer rapidement. Allez, de l'autre côté derrière, ça revient encore une fois avec le dégagement de Donnarumma. Les gars, je dis, hein, Pedri, quel talent ce joueur. Allez, dégagement devant de Donnarumma. Allez, pour aller tirer de l'autre côté, la déviation, le repousser, attention, ça revient toujours récupérer quand même de l'autre côté. Pour le dégager pour la défense, ça revient récupérer quand même par les Parisiens. Avec Zaïre-Emery, la passe Zaïre-Emery pour trouver quand même Dembélé contré. On récupère par Cancelo, Cancelo pour De Jong, attention, la passe De Jong en profondeur. Allez, pour aller tirer, c'est Rafinha, attention, Rafinha. Et la passe est trop forte, la passe est trop forte. Et c'est bon, on va sortir en tous. Allez, c'est bon, on sort en tous. Hein. C'est bon, on sort en tous. Allez, rapidement. Allez, l'aviation, attention avec l'intervention de l'autre côté. Il est malade, vraiment, il est malade. Allez, on récupère quand même par Hakimi. Allez, Hakimi pour Marquinhos. C'est dégagement de Marquinhos devant. Allez, il n'y a personne. Que ce soit Mbappé, que ce soit Dembélé pour les 5, quand même le Barça. Le Barça tire bien quand même son match. Allez, surtout au milieu de terrain.
où quand même on a vraiment du mal à voir Zaïre Emery surtout. Allez, la passe devant, attention pour Kopp avec le contrôle de Mbappé. Allez, Mbappé toujours pressé de préparer la passe de Mbappé qui dégage sur le côté de yeux vers Barcola. Allez, Barcola, les dribbles de Barcola. Barcola, le retour de Pedri qui vient fermer le centre de Barcola. Les contrées, game par Koundé, corner pour le Paris Saint-Germain. Allez, corner pour les Parisiens. Allez, corner. Allez, corner pour les Parisiens. Allez, on se met de près ce corner. Allez, corner. Allez, corner tiré par Dembélé. Allez, c'est mal tiré. C'est mal tiré. C'est mal tiré de la part de Dembélé. Aïe, 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 aïe. Allez, c'est mal tiré de la part de Ousmane Dembélé. Allez, qui a raté complètement. Là, il voulait... Avec sa vie qui entrait quand même de parler avec Lamine Yamal. Pour l'instant, c'est lui l'homme fort. Hein. Avec Rafinha qui, en deux matchs, quand même, qui a marqué 3 buts. Hein. Doublé au match aller. Et là, Rafinha qui permet encore une fois qu'au match aller donc, à son équipe de mener donc, au score. Allez, c'est important. C'est important. Allez, dégagement devant. Ça revient toujours. Allez, on va récupérer quand même de l'autre côté avec. Allez, le contrôle, allez, tranquille. Allez, de la part quand même de Lucas Hernandez. Allez, Hernandez qui va trouver quand même de l'autre côté tranquillement. Avec. Marquinhos, allez, pour Hernandez. Hernandez pour Nuno Mendes. La passe vers Fabian Ruiz. Allez, Fabian Ruiz pour Barcola. Attention, ça passe quand même. Allez, Fabian Ruiz, ça passe en l'accélération de Fabian Ruiz. Pourquoi pas au bon centre, le retour de Pedri. Allez, Fabian Ruiz qui n'a pas de solution. Attention, il va décaler quand même vers Kylian Mbappé. Elle m'avait pressé par les yeux, Mbappé toujours. Attention, le centre de Mbappé. Et la tête d'Araujo qui repousse avant le dégagé. Un catastrophe pour Pedri. Ça revient toujours dans la surface. Dégagé par Pedri, récupéré quand même sur le côté gauche avec Nuno Mendes. Allez, Mendes toujours. Pressé de près par Pedri. Attention, Mendes qui va passer ça. Pourquoi pas le centre de Mendes. Allez, contrer. Allez, sortez. Sortie de but, ça donne rien. Sortie de but, ça donne rien. Allez, c'est compliqué. Allez, les gars, c'est compliqué. Allez, pour l'instant, les gars, la première période, les gars, de Nuno Mendes est assez compliquée. Ah, ouais. La première période, les gars, de Nuno Mendes est assez compliquée. Ah, ouais. Ouais, la première période de Nuno Mendes est assez compliquée. Allez, le dégagement. Allez, les dégagements devant de Ter Stegen, allez tranquillement avec le contrôle, allez tranquille de la part de Jules Koundé, allez Koundé pour trouver Ken Araujo, le dégagement devant Mbappé, récupéré quand même par les Parisiens, la déviation sur mesure avec le contrôle tranquille de Vitinha, allez Vitinha qui va décaler sur le côté gauche avec Dembélé, l'appel d'Hakimi, allez Dembélé qui va frapper, allez c'est mal joué quand même parce qu'il y avait des solutions à droite, surtout avec Hakimi, allez là il a décidé quand même de jouer ça en solo, allez cette frappe de Dembélé qui n'a rien donné. Et ce ballon sera tous vus rapidement à récupérer quand même par Marquinhos. Allez, Marquinhos qui va trouver Lucas Hernandez. Allez, la passe d'Hernandez sur le côté gauche avec Nuno Mendes. Allez, Mendes toujours. Allez, Mendes derrière. Allez, pour le pressing. Regardez quand même, les gars, le pressing des Catalans. Maintenant avec Rafinha sur le côté gauche. On va récupérer quand même par Dembélé. Allez, Dembélé toujours. Attention, la plan profondeur. Il va essayer serrer sur le côté gauche. Il y a les yeux de la fin de Barcola. Allez, Barcola face à Hernandez. Barcola, la passe de Barcola. Ça se le saute. Oh, et quel arrêt! Quel arrêt exceptionnel quand même de Ter Stegen! C'est Santkem et ce ballon coupé par Kylian Mbappé! Et Ter Stegen qui met son corner, ça revient toujours! Allez, on va récupérer quand même par les Parisiens avec Nuno Mendes! Allez, Mendes pour Dembélé, le centre de Dembélé! La tête quand même de Marquinhos, ça revient! L'intervention quand même de Koundé! Attention, contre moi, récupéré quand même par Lewandowski! Allez, Lewandowski va trouver sur le côté gauche, Rafinha! Allez, Rafinha tranquillement qui garde la balle! Rafinha toujours, la pelle quand même devant de. Rappel devant de Gundogan, attention de centre contré, ça se rend. Aïe aïe aïe, quelle opportunité pour les Parisiens. Quelle opportunité pour les Parisiens. Ah là 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 là. Quelle opportunité pour les Parisiens. On voit les gars, on regarde les gars ce centre. Et cette tête de Mbappé sauvée. On peut dire quand même c'est Koundé qui sauve le Barça. Parce que là, cette tête de Mbappé, les gars, je la vois au fond. Attention, on va récupérer quand même derrière, ça revient. Avec l'exceptionnel Pedri. Allez, qui va trouver dans le rond central. De Jong. Allez, De Jong pour Jules Koundé. Allez, Koundé pressé de près par Barcola. Il va jouer derrière pour trouver quand même son gardien, Ter Stegen. Allez, Ter Stegen sur le côté gauche tranquille avec Cancelo. Allez, Cancelo toujours l'appel de Rafinha devant. Et il va trouver dans l'entrée récupéré quand même par Cancelo. Cancelo pour Pedri. Allez, qui temporise. Il est phénoménal. Il est phénoménal. Allez, Pedri pour. Et il est phénoménal. Allez, Pedri pour Araujo. Araujo toujours. Allez, la passe devant, attention, la passe d'Araujo ratée, l'intervention qui aime de mettre devant avec Barcola. Barcola, attention, Barcola, toujours Barcola, pourquoi pas? Et penalty, penalty pour le Paris Saint-Germain dans l'arbitre, et c'est en dehors de la surface.
Allez, carton rouge. Et carton rouge. Carton rouge pour Araujo. Carton rouge pour Araujo. Attention. Et carton rouge. Et peut-être, les gars, c'est le tournant du match. Peut-être, les amis, c'est le tournant du match. Peut-être, les amis, c'est le tournant du match. Peut-être, les amis, c'est le tournant du match. On revoit cette action. Et il est en retard, il est en retard. C'est en dehors de la surface. C'est en dehors de la surface. On revoit. Ah, il est en retard. Et carton rouge, les gars. Ouais, c'est en dehors de la surface. Et carton rouge, les gars, pour Araujo. Aïe, 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 aïe. Les gars, peut-être c'est le tournant du match. Allez, Barcola, on sait, Barcola, il va vite. Hein. Araujo. Allez, carton rouge. Hein. Carton rouge, et là, il y a un coup franc. Ouais, c'est en dehors de la surface. Ah là là. Barça est à 10. Le Barça est à 10, les amis. Suite à ce carton rouge, quand même, d'Araujo. Ouais, il y a rouge. Hein. Il y a rouge. Pour moi, les gars, le carton, les gars, est mérité. Hein. Araujo, on sait, c'est un joueur quand même qui met beaucoup d'impact. Hein. Et là, il est en retard. Et là, il ne devait pas faire cette faute. Hein. Il ne devait pas faire cette faute. Là, il est en retard. Il sait, il est en retard. Et carton rouge pour Araujo. Carton rouge. Allez, ah, ils sont à 10. Là, ils sont à 10. Ah, Araujo est toujours quand même sur la pelouse. Allez, Barça. Le Barça est à 10. Hein. Le Barça est à 10. Et là, il y a un coup franc peut-être. Attention à cette double sanction. Ça serait incroyable. Et c'est Hakimi Kane qui va tirer ça. Allez, attention. Attention, les gars, c'est carton. C'est rouge. Hein. Et pour moi, c'est mérité. Hein. Pour moi, il y a carton rouge. Hein. Je suis d'accord avec l'arbitre. Hein. Salut à vous, Bilta. Salut à vous, Diva. Allez, attention, les gars. Attention, carton rouge pour Araujo. Et là, il y a un très bon coup franc. Allez, peut-être. Attention, double sanction. Il y a Dembélé, il y a Hakimi. Allez, qui va botter ce... Allez, je pense que c'est Dembélé qui va tirer. Hein. Non, il y a Dembélé, il y a Fabien Ruiz. Allez, la concentration doucement Dembélé. Attention. Allez, coup franc, carton dans le mur. La concentration, quand même, doucement Dembélé. Allez, on voit Ter Stegen qui est en train quand même de parler avec ses hommes. Allez, l'arbitre peut siffler maintenant. Allez, attention, Dembélé. Et ça frôle le menton. Et ça passe ici à côté. Allez, c'était très bien tiré. Hein. Allez, Ter Stegen était battu. Hein. Ter Stegen, les gars, était battu. On revoit ce coup franc. Dembélé. Aïe, 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 aïe. Ça passe à côté. Ça passe à côté. Allez, attention, Barça à 10. Et là, le Barça, le Paris Saint-Germain, c'est quoi faire hein? Carrément. Là, il ne doit pas reculer. Là, il doit seulement attaquer. Carrément. Et c'est quand même aussi de gérer quand même c'est les arrières. Hein. Allez. Allez, Barça est à 10. Hein. Allez, on voit quand même dans les tribunes quand même. Christensen aussi avec Sergio Roberto. Allez, dégagement devant. On va le repousser pour la défense. Ça revient encore une fois. Allez, récupérer. Attention avec les Parisiens qui vont essayer de se battre avec Vitinha. Allez, Vitinha récupère là. On va récupérer par Lewandowski. Lewandowski toujours. Allez, la passe de Lewandowski contrée par Fabien Ruiz. On va remuer le terrain avec ce duel. Ce duel Ruiz. On va récupérer quand même par les Parisiens. Avec Fabien Ruiz. La passe de Mbappé. Attention, Mbappé toujours. L'accélération de Mbappé. Et l'intervention de Koundé tranquillement. Allez, sur le droit. Allez, Kevin facilement Barcola. La passe de Koundé. Allez, Koundé qui rate complètement sa passe. On va récupérer quand même par Nuno Mendes. Allez, Mendes tranquillement avec Fabien Ruiz, la déviation de Kylian Mbappé, ça revient avec Vitinha, attention le contrôle de Zaïre Emery, on est dégagé par la défense, ça revient toujours, allez récupérer dans l'entrejeu, allez tranquille avec Lucas Hernandez, allez pour Vitinha, allez Vitinha devant avec Fabien Ruiz pour Vitinha, la passe sur le côté gauche, bien joué Barcola, allez Barcola pour aller défier Koundé, Barcola, la passe vers Fabien Ruiz, le centre de Fabien Ruiz, et voilà, capté tranquillement par Ter Stegen, allez c'est un autre match, les gars qui commence, allez on voit Araujo. Allez, l'erreur monumentale quand même d'Araujo. Allez, attention, attention, c'est ton autre match quand même qui commence. C'est ton autre match quand même qui commence. Allez. Allez, dégagement devant. Allez, de l'autre côté, allez, tranquillement, attention avec l'intervention sur le côté. Ce ballon va sortir en tous. Allez, ça sort en tous. Allez, Yamal va sortir, on sait carton rouge.
Là, ça vit quand même, donc. Allez, sortie de Yamal. Yamal qui a eu cette sa place. Yamal qui fait sa place. Et la rentrée quand même de Inigo Martinez. Allez, Inigo qui prend la place de Lamine Yamal. Allez, Yamal qui sort. On sait quand même, il a fait une très très bonne entame de match. Là, on sait suite à ses cartes rouges d'un euro. Allez, la passe derrière, ça revient. Allez, on récupère quand même par les Parisiens avec Lucas Hernandez. Allez, la passe d'Hernandez qui décarte sur le côté gauche. Vers Nuno Mendes, allez, tranquillement. Allez, Nuno toujours. Allez, l'appel sur le côté gauche de Barcola. Et il va décaler sur le côté gauche vers lui, c'est là, Lucas. Lucas, Fabian Ruiz est en promo. Allez, Fabian qui va trouver dans l'entrée, on va récupérer quand même sur le côté droit avec Hakimi. La passe d'Hakimi qui décale sur le côté tranquillement vers Dembélé. Attention Dembélé, Dembélé qui va essayer donc de passer. Attention. Et là, allez, l'arbitre va arrêter le jeu. Il va arrêter le jeu. Allez, c'est faute sur les ventes de ski. Coup franc pour les Catalans. Allez, coup franc pour les Catalans. Allez, tout va jouer les gars en deuxième période. Je ne sais pas comment les Parisiens vont se comporter en deuxième période. Je ne sais pas comment les Parisiens, les gars, vont se comporter en deuxième période. Allez, allez, coup franc pour les... Allez, dégagement devant. Avec Ter Stegen qui allonge devant. Allez, Pierre, attention, la déviation, ça revient. On va récupérer quand même sur le côté gauche avec Rafinha. L'intervention de Rafinha. La faute, cette sarre sur Rafinha et coup franc. Là, il y a un coup franc. Là, il y a un coup franc. Ils vont essayer quand même de se serrer et d'aller la pause quand même avec ce rempli d'écart. Hein. Allez, pour l'instant, sur l'ensemble des deux matchs, c'est deux buts de moins donc pour les Parisiens. Allez, on va récupérer quand même par les Parisiens avec Lucas Hernandez. Allez, qui va trouver Fabian Ruiz. Allez, Fabian Ruiz, toujours l'appel de Barcola. Il va trouver sur le côté gauche. Allez, Nuno Mendes. Allez, Nuno, tranquillement. Allez, Nuno, derrière, ça revient. Avec dans les pieds, quand même, dans les pieds de Vitinha. Allez, Vitinha qui décale sur le côté tranquillement. Avec le contrôle tranquille de la part de Dembélé. Allez, Dembélé pour aller défier, quand même, Cancelo. Dembélé qui va rentrer avec son pied gauche. Allez, la passe de Dembélé pour Zaïre Emery. Zaïre Emery pour Dembélé. Dembélé derrière. Allez, toujours avec Marquinhos. Allez, Marquinhos pour Fabian Ruiz. Allez, Fabian Ruiz pour Kylian Mbappé qui décrosse. Allez, Mbappé toujours sur le côté gauche. La passe Mbappé derrière. Allez, pour décaler vers Nuno Mendes. Allez, Mendes pour Vitinha. Allez, Vitinha derrière avec Marquinhos. Marquinhos toujours, ça se rapproche pour les Parisiens. Avec Dembélé, pourquoi pas. Dembélé toujours. Allez, Kéline facilement. Attention, Cancelo, Dembélé qui passe. Le centre de Dembélé, ça revient. Il y a personne pour couper ce ballon dans la surface. Et pourtant, le centre quand même n'était pas assez mauvais. Hein. On récupère quand même par Cancelo. Allez, Cancelo toujours. La passe en profondeur de Cancelo. Allez, Cancelo qui rate. Cancelo qui rate sa passe. Et ce ballon se rend tous. Allez, ça va être difficile pour les. Allez, ça va être difficile quand même pour les Catalans. Allez. Allez, on va récupérer quand même derrière avec. Allez. Allez, Koubati qui allonge avec Koundé. Allez, Koundé toujours. Attention le contrôle de Koundé. Allez, l'intervention quand même de Nuno Mendes. Allez, ce ballon se rend tous. Et là, tout c'est pour les. Et là, tout c'est pour les Catalans. On va lui indiquer qui est en train quand même de. Allez, la passe derrière, ça revient. Avec pour les Catalans. Avec Koubati. Allez, Koubati toujours. Allez, la passe de Koubati devant. Allez, attention pour aller chercher quand même Pedri. Allez, la passe est trop forte. L'intervention quand même de Nuno Mendes. La passe de Mendes devant. Il y a Fabian Ruiz. Allez, qui va jouer derrière encore une fois. On récupère quand même par Nuno Mendes. Allez, Nuno qui avance tranquillement. Il n'est pas pressé. Il gagne du terrain. Allez, Nuno Mendes. La passe de Nuno Mendes derrière. Allez, pour trouver quand même Marquinhos. Allez, Marquinhos, allez vers Dembélé. Allez, soit Dembélé, il y a Hakimi. Allez, qui démonte, bon, attention, l'accélération de Dembélé. Dembélé, toujours attention, Dembélé qui élimine. Allez, on va contrer, récupérer quand même par Cancelo. Allez, Cancelo, la faute. La faute sur Cancelo, coup franc. Alors, on sait défensivement, Cancelo, il est bon. Défensivement, Cancelo, les gars, il est phénoménal. Défensivement, ok, Dembélé, quand même, il a vraiment du mal à éliminer quand même Cancelo. Allez. Allez, coup franc récupéré quand même par les Catalans. Allez, Inigo Martinez pour aller pousser ce coup franc. Allez, coup franc joué quand même devant par l'Espagnol. Attention à la déviation de Lewandowski pour aller chercher Rafinha. On va récupérer tranquillement par Lucas Hernandez. Allez, qui va trouver quand même sur le droit Hakimi. Allez, la passe d'Hakimi derrière. Allez, pour Nuno Mendes. Allez, Nuno Mendes qui demande à sa troupe d'entraînement, les gars, de monter. Allez, Nuno Mendes qui avance. Allez, Nuno toujours.
Et Paris doit marquer avant la mi-temps. Allez, récupérer par Vitinha dans l'intérieur de la passe de Vitinha. La déviation quand même de Zaïd Emery. Va récupérer toujours par Marquinhos. Allez, l'appel quand même sur le côté gauche de Dembélé. Marquinhos va jouer avec Barcola. Allez, tranquillement, le contrôle de Barcola. Barcola face à Koundé. Barcola toujours. Et Barcola qui replace dans l'axe. Va récupérer par Vitinha. Allez, Vitinha toujours tranquillement. Vitinha qui va armer, pourquoi pas. Vitinha, Vitinha toujours, le dribble de Vitinha qui décale vers Barcola. Attention, le centre de Barcola. Mbappé là sur le blanc. Oh, Ousmane Dembélé qui égalise. On revoit qui est travaillant, c'est passe. Il n'y a pas de position de jeu. Et ce centre de Barcola. Et c'est frappe, allez, tranquille. Hein. Tranquille qui passe, qui traverse l'axe. Et les amis, ça fait le parti. Dembélé qui marque. Hein. Allez, Dembélé, c'est lui qui avait égalisé. Et Dembélé qui marque. Et les amis, ça fait le partout. Allez, les gars, j'ai dit, c'est un autre match qui commence. Hein. Et là, les Sousa. Les choses vont être compliquées pour les Catalans. Et surtout en deuxième période. Le Barça qui doit défendre à 10. Même si pour l'instant, quand même, le score. Et attention, on est en train de checker. Hein. Et pour moi, le but est valable. Hein. On est en train de checker. Attention, on va voir. Là, on est en train de checker. Allez, est-ce que le but va être annulé ou pas? Allez, le but est validé. Allez, ça fait 8 partout. Et ça fait 4-3 sur l'ensemble des matchs. C'est impossible pour les Parisiens. Là, on peut dire que c'est carton rouge à tout santé. Hein, carrément. Allez, 5 minutes pour Campan. Allez, Dembélé qui marque. Hein. Dembélé qui marque à la 40e minute. Et qui permet au bar Paris Saint-Germain d'égaliser. Allez, on va récupérer Kane par les Parisiens avec Ousmane Dembélé. Attention, Dembélé toujours. Allez, la porte en profondeur. Allez, pour aller chercher Hakimi. Allez, contre, récupéré par Cancelo. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué quand même pour les Catalans. Attention, la déviation. Ça revient. Récupérer Kane par. Avec Zaïd Emery qui va se battre, la passe vers Hakimi, l'accélération et la couverture quand même de Inigo Martinez, le dégagement et ça sort en touche. Allez, c'est dégagement, allez, contré, ça sort en touche, ça va être compliqué. Mais les gars, ça va être difficile. Ça va être difficile. Ça va être difficile. Allez. Allez, dégagement devant. Allez, ça sera tous, allez rapidement, allez tous par Lucas Hernandez derrière, allez pour trouver Ken Donnarumma. Allez, Donnarumma, tout reste du temps, il reste du temps, va la mi-temps. Paris peut égaliser. Oui, sur l'ensemble de matchs. Allez, la passe pour Lucas Hernandez, allez, qui va trouver Ken derrière. On récupère avec Marquinhos, là, pas pour le qui vient de Mbappé, attention Mbappé, pourquoi pas la déviation. Non, il voulait contrôler cette balle et pourtant il y avait Dembélé, il a raison. Dembélé a raison, Mbappé devait jouer avec Dembélé, mais il voulait contrôler ce ballon. Allez, attention, le pressing sur Koundé. Allez, Koundé qui se perd et dégagement, catastrophe et ça s'en rend plus. Allez, les dégagements, ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué pour les Catalans. Allez, ça se rend tous. Allez, d'une main derrière. Bon, récupérer Kane par. Bon, récupérer Kane par. Par Vitinha. Allez, Vitinha pour Zaïre Emery qui renverse le devant. Récupéré par Dembélé. Cette fois-ci face à Cancelo. Allez, Pedri vient fermer. Attention! Oh, cette frappe de Zaïre Emery passe à côté. Allez, il passe largement à côté. Allez, c'était Vitinha. C'était Vitinha, on voit carrément quand même les gars, comment il est impliqué Dembélé. Il n'y avait pas de position d'argent, il n'y avait pas de position de jeu. Ce centre quand même remarquable qui traverse les galaxes. Et là Dembélé n'a qu'à finir. Ah, c'est possible carrément, c'est possible pour les Parisiens. Là le Barça est à 10. Ah, ils ont un but les gars d'égaliser. Allez, les dégagements de Ter Stegen. Allez, devant, ça revient. Attention avec. Allez, Fabien Ruiz tranquille. Allez, pour Barcola. Quel match aussi de Barcola. Allez, Barcola, la part de Barcola. Attention, le contrôle manqué quand même de la part de Zaïre Emery. Il va récupérer quand même par Lewandowski. Allez, la passe vers Rafinha. Attention, Rafinha, l'intervention de Nuno Mendes. Et l'arbitre va siffler quand même au coup franc. Attention. Allez, il va siffler au coup franc. Il va siffler au coup franc. Allez, il y a des questions qui. Allez, coup franc. Mbappé avait pris un carton. Allez. Allez, coup franc rapidement.
Ah, ça revient de l'autre côté avec le contrôle tranquille qui est allé de la part de Koundé. Allez, qui va trouver Ter Stegen. Allez, Ter Stegen sur le côté gauche, on va récupérer Kempara. Allez, Kubatik allons devant. Allez, Inigo Martinez, la partie Inigo devant. Attention pour aller chercher Pedri. C'est compliqué. C'est compliqué. Allez, on va récupérer Kempara, les Parisiens. Ça revient avec Fabien Ruiz. Allez, Fabien, toujours tranquillement. La part de Fabien devant. Attention avec le contrôle tranquille de la part de Kylian Mbappé qui décale vers Barcola. Attention, c'est le danger numéro 1. Barcola, Barcola face à Koundé qui va passer. Barcola, toujours les dribbles de Barcola. Les sacs de Barcola. Il n'y a personne pour couper ce ballon. Allez, quel travail, les gars. Quel travail de Barcola, il est phénoménal. Il est en train, les gars, de nous sortir un match exceptionnel. Exceptionnel, il est en train de martyriser de Koundé. Ouais, c'est compliqué. Ouais, quel match, les gars, pour l'instant de Barcola. Quel match pour l'instant, les gars, de Barcola. Quel match. Quel match de Barcola. Allez, également. Allez, également, Ter Stegen. Allez, l'égagement de Ter Stegen devant. Allez, ça revient, attention avec le contrôle tranquille de la part de l'accélération sur le côté de la part de Rafinha. Attention, l'intervention de Fabien Ruiz. Ça revient avec Vitinha. Oh, oh, allez, Pedri reste au sol. Allez, l'arbitre, est-ce qu'il va siffler? Est-ce qu'il a sifflé en coup franc? Les gars, tout va se jouer quand même en deuxième période. Tout va se jouer en deuxième période. Attention, Parisiens. Là, pour moi, aujourd'hui, quand même, si Paris ne réussit pas à marquer, donc surtout en deuxième période, donc... rapidement, ça va être compliqué. Parce que là, ils vont libérer beaucoup d'espace donc derrière. Là, à défaut, donc, au Barça, peut jouer avec des contres. Attention, écarte en zone. Écarte en zone pour Fabien Ruiz. Allez, Fabien Ruiz, ici, donc, comme Kylian Mbappé. Et comme son carton. Allez, écarte en zone pour Fabien Ruiz. Allez, écarte en zone pour Fabien Ruiz. Là, c'est bon. Allez, attention, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et 3 minutes temps. Allez, temps additionnel, 3 minutes. Allez, on a 3 minutes de temps additionnel, les amis. On a 3 minutes de temps additionnel. Allez, temps additionnel, 3 minutes. 3 minutes de temps additionnel. Allez, on descend de 0 à 0. Parce que Pedri, on voit Luis Enrique lui aussi, quand même, qui parle beaucoup. Ah, cette fois-ci, c'est avec Vitinha. Regarde, Vitinha, fais ça. Allez, replace-toi. Allez, c'est maintenant. Les gars, le discours en deuxième période va être incroyable. Le discours en deuxième période à la mi-temps, les gars, va être exceptionnel. On revoit, les gars, les buts. Quel travail aussi en deux. Quel travail qui élimine facilement Nuno Mendes, le centre de Lamine Yamal. Et ce ballon coupé, quand même si que Rafinha, quand même, a raté ça sans essence. Le ballon revient plus directement donc son pied. Et aussi, quel travail aussi de Barcola hein, sur le côté gauche. Il est en train, quand même, de poser beaucoup de difficultés à Koundé. Hein. Allez, coup franc pour les Catalans. Ah, ils vont prendre tout leur temps avant de jouer quand même ce coup franc. Ah, ils vont prendre tout leur temps. Allez, dégagement devant. Attention, ça revient. Allez, l'intervention quand même un prix de Donnarumma. Allez, Donnarumma qui va relancer rapidement. Allez, Donnarumma qui va trouver Kane sur le côté. On va récupérer tranquillement avec Lucas Hernandez. Allez, Hernandez toujours. Allez, Hernandez, la passe Hernandez sur le côté gauche avec Nuno Mendes. Allez, Nuno, dans le rond central. Allez, bon, récupérer Kane par Marquinhos. Allez, pourquoi pas essayer quand même de marquer avant la pause. Allez, la passe pour Dembélé. Allez, Dembélé pour Zaïre Emery. Zaïre pour Dembélé. Allez, Dembélé pour Vitinha. Allez, Vitinha qui décale sur le côté gauche pour son compère. Allez, récupéré par Nuno Mendes. Attention, le centre de Mendes. Allez, pour Dembélé. Le replis. Oh, ils sont placés à côté. Ils sont placés à côté sur le reprise de Dembélé. Aïe, quelle opportunité. Quelle opportunité pour Ousmane. Quelle opportunité pour les Haïs. Allez, c'est une reprise, les gars. Ah là là. Allez, dégagement devant. Allez, dégagement devant. Quand même de Ter Stegen. Allez, la déviation. Allez, on va récupérer par Rafinha. Et l'intervention quand même de Nuno Mendes. Allez. Allez, Koundé. Elle a tout fait couler devant, attention avec la protection de balle, ça revient, on va le perdre, récupérer quand même sur le côté avec
Lewandowski, il y a les ventes dégagées sans contrer, récupéré quand même sur le droit tranquille avec le petit point, pourquoi pas de la part de Koundé. Allez, le retour de Barcola avant récupéré par Lewandowski qui décale sur le calvaire Pedri. Allez, la passe, elle est contrée, récupérée quand même par les Parisiens. Attention avec le contre, pourquoi pas avec Hakimi. Allez, Hakimi, le petit pont tenté. Les ventes dégagées quand même en catastrophe par Koundé. Allez, ça revient avec l'intervention sur le côté gauche de Cancelo. Allez, la protection tranquille. Allez, la passe derrière. Allez, récupéré quand même par Donnarumma. Allez, Donnarumma, le dégagement de Donnarumma. Allez, pour aller chercher quand même devant. Allez, on peut le récupérer quand même par les Catalans. Perdu, récupéré sur le côté avec les Parisiens. Avec Zaïre Emery. Allez, Zaïre qui est calvaire vers Marquinhos. Allez, Marquinhos terrain. Hakimi. Et la passe de Marquinhos quand même. Ce ballon va. Ce ballon sort en tous. Ah, quel match. Allez, l'arbitre ne tapera pas, les gars. A siffler quand même la fin de. Des 45 premières minutes. Ah, pour l'instant, on s'est régalé. Une très belle première période. Allez, on récupère quand même de l'autre côté avec les Parisiens. Allez, les dégagements devant. Allez, pour Ousmane Dembélé. La déviation de Dembélé. Attention, l'accélération de Kylian Mbappé. Allez, il y a Kubati qui est devant. On va perdre, récupérer quand même par Barcola. Allez, Barcola toujours. Les passes de Barcola qui décale sur le côté. Allez, pour Mbappé. Attention, Mbappé va armer. La passe de Mbappé qui décale de Fabien Ruiz. Attention, le centre de Fabien Ruiz. Et quelle intervention quand même de Kubati. Quelle intervention de Kubati. Et là c'est la mi-temps les gars, une très belle première période pour l'instant. Oh, but partout sur l'ensemble des deux matchs. Le Barça est devant, mais les amis, le Barça est à 10. Le Barça est à 10 pour l'instant les gars, c'est la mi-temps. On va voir les gars, la deuxième période, qu'est-ce que la deuxième période nous réserve. Mais on a vu les gars, une très belle première période où le Paris Saint-Germain quand même a fait une très très bonne entame. Même si après ils ont pris quand même ce but, mais le Paris Saint-Germain n'a pas baissé les bras. Mais ils ont réussi quand même donc à égaliser à l'intermédiaire de Ousmane Dembélé. Les amis, c'est la mi-temps. Paris Saint-Germain 1, Barça 1. Allez, pour l'instant, les gars, quelle première période. Quelle première période, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire, les gars. Ah, il y a beaucoup de choses à dire, les amis. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire, les amis. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Carrément. Carrément. On va voir tout à l'heure. On va voir tout à l'heure, les gars, les stats. Notamment quand même donc les notes donc pour le premier période avec ce score. N'oubliez pas les gars que les Sardes la plus rapide au monde. Là c'est la mi-temps. Et là on va bien débriefer quand même cette première période. On va bien débriefer cette première période. Allez, pour l'instant je sais que les gars, pour l'instant les Catalans, ils se posent beaucoup de questions. Est-ce que ça va passer? Oui ou non? Les gars, tranquille. Là les Catalans, les gars, se posent beaucoup de questions. Alors on sait. Là donc le Barça qui a ouvert donc le score. Retour avec Rafinha quand même. Hein. Là je. Et après ces cartons rouges, on peut dire les cartons rouges quand même à changer le match. Hein. Ces cartons rouges quand même pris bêtement par Araujo. Tu peux dire, hein. Ces cartons rouges pris bêtement par Araujo. Là, ça fait un but partout. Là, il suffit quand même pour le Paris Saint-Germain de marquer encore une fois donc pour que les deux équipes donc, égalisent sur l'ensemble des deux matchs. Attention. Attention. On va voir les gars les stats. On va voir les stats cette première période. N'oubliez pas les gars, télécharger l'appli. Hein. La plus rapide au monde avec Sofascore, avec mon lien de téléchargement qui nous accompagne toujours. Hein. Avec Sofascore, les gars, ça bouge. Allez, n'hésitez pas à télécharger. Hein. Soit vous scannez le QR code qui est juste là. Allez, soit vous cliquez sur le lien. Soit vous cliquez sur ce lien. Allez, soit vous téléchargez l'appli, allez, n'hésitez pas à tout ce qui ça intéresse. Donc, allez, je vais aller donc directement, on va voir ensemble avec Sofascore. Qu'est-ce que nous avons les gars en première période? Allez, très belle première période. Hein. J'ai dit le Paris Saint-Germain une très bonne entame. Hein. J'ai bien aimé quand même cette entame où l'équipe quand même était déterminée. On a vu quand même donc beaucoup d'engagement, surtout donc au milieu de terrain, où il y avait beaucoup de récupération donc au milieu de terrain. Mais après, donc, on peut dire que c'est une erreur quand même de la part de Nuno Mendes. Hein. Donc, qui s'est fait éliminer facilement par Lamine Yamal. Après, on a vu ce qu'il y a à suivre. Hein. Lamine Yamal, donc, qui délivre un bon centre. Même si, quand même, Rafinha a raté quand même son geste. Mais le ballon, donc, remonte directement donc, sur son pied. Et après, donc, Rafinha permet au Barça de mener au but à zéro. Le Paris Saint-Germain n'a pas baissé les bras. Ils ont continué quand même à jouer. Même si devant, ce n'était pas extraordinaire. Kylian Mbappé, on ne le voit pas assez quand même. Donc, mais eux, c'est les devants. Dembélé, on le voit donc, même s'ils sont en duel avec Cancelo, qui était assez rude, hein, carrément. Cancelo quand même donc a répondu présent. Même si Dembélé donc a réussi à passer une fois
Après, donc, là, le but, ce travail, on part après. Avant ça, il y a ce carton rouge quand même qui a changé complètement le match. Le carton rouge a changé le match. Le carton rouge a changé le match, carrément. Le carton rouge a changé ce match. Donc là, on va voir les stades, les gars. On va voir ensemble les stades. Avec SofaScore toujours. Là, les notes aussi en premier période. Hein. On va voir les gars, est-ce qu'ils ont bien noté donc est-ce qu'ils ont bien noté quand même donc avec SofaScore hein, qui nous accompagne. On va voir les gars, est-ce qu'ils ont bien noté quand même le premier période. Là, si on juge quand même donc Araujo, c'est catastrophique. Même si Araujo quand même les gars, pour moi, il a fait quand même une très bonne entamement. Donc on a vu quand même son duel avec Kylian Mbappé, il répondit présent. On sait Araujo quand même, c'est un joueur quand même qui met beaucoup d'impact. Là, pour moi, il devait quand même cette faute. Elle est assez idiote quand même de sa part. Il ne devait pas commettre cette faute. Il ne devait pas commettre cette faute de la part d'Araujo. Il ne devait pas faire ça. Il ne devait pas. Il y a des fautes, les gars, qui sont inexplicables. Et pour moi, aujourd'hui, il est en retard. On sait quand même Barcola, il va vite. Là, Araujo, il sait que lui, il est en retard. Et pourquoi faire cette faute? Et pour moi, l'arbitre a jugé, même si quand même, comment dirais-je, la règle donc, du dernier défenseur donc, n'existe plus. Donc là, l'arbitre doit juger. Est-ce que donc il a empêcher donc une occasion de but, est-ce que le joueur donc devait filer directement face à face avec le gardien, et c'est ça quand même. Si on voit Barcola qui récupère la balle, Barcola pouvait marquer, donc l'arbitre a jugé normal, et là c'est un carton rouge mérité pour moi, c'est le règlement, et c'est un carton rouge mérité. Là si on regarde aujourd'hui les notes avec carton rouge, donc c'est pour cela il a une note de 5, car Kubati donc pour l'instant il est en train quand même de faire un très bon match, quoi qu'on puisse dire. Cancelo pour moi sur le côté gauche, donc il a gelé quand même Dembélé, on a vu quand même beaucoup de duels gagnés par Cancelo, même si après Dembélé a marqué. Sur le côté droit, Jules Koundé, il a vraiment du mal. Pour dire vrai, Koundé a vraiment du mal. Hein. Il a vraiment du mal donc face à Barcola. Il est en train quand même d'être bousé par le gamin. Barcola qui est en train quand même de faire un très bon match. On va parler tout à l'heure quand même de son cas. On regarde aussi Gundogan, une note de 6,01 au milieu de terrain. Je suis d'accord. Hein. Je suis d'accord. Gundogan, donc, je ne vois pas assez au match aller. Il était incroyable, il était exceptionnel. Mais Gundogan, pour l'instant, l'international allemand, Pedri aussi, la même chose. Hein. Pedri aussi, la même chose. De Jong, une note de 6,5. Devant, on peut dire la satisfaction, c'est Rafinha qui a marqué. Lamine Yamal, qui a fait une très... Avant de sortir quand même, Lamine Yamal, donc, nous a sorti quand même un très très bon match. Devant Lewandowski, donc, il est sevré de ballon. On le voit quand même, il décroche, il vient donc chercher ses ballons. Du côté du Paris Saint-Germain, donc on voit donc, la défense, Hernandez, Marquinhos, Achraf Hakimi, Nuno Mendes. Même si Mendes quand même donc une entente de match assez compliquée. On peut dire la sortie de Lamine Yamal quand même a fait un très bon. Ouais, on peut dire Nuno Mendes quand même. Hein. Nuno Mendes, lorsqu'il a vu quand même Lamine Yamal sorti, il a dit Alhamdulillah. Carrément. Parce que là, Nuno Mendes, quand même, donc, c'était compliqué. Hein. C'était compliqué quand même pour Mendes. Donc là, donc, à la sortie de Yamal, on l'a vu quand même donc, avec ses appels sur le côté gauche. Donc là, il est beaucoup plus offensif. Ensuite, donc, à ce carton rouge, donc la sortie de Yamal. Donc là, on a vu quand même Nuno Mendes donc, qui est beaucoup plus offensif. On a Fabian Ruiz quand même donc, qui apporte beaucoup de choses hein, offensivement. Un très bon match quand même de la part de Fabian Ruiz pour moi. Il fait partie quand même des hommes forts donc en première période quand même du côté du Paris Saint-Germain. On le voit assez quand même, il est impliqué, surtout les replis défensifs. Il récupère beaucoup de ballons, Fabian Ruiz. On le voit aussi donc sur le côté gauche avec des fois donc les appels de Barcola. Donc des fois il décroche, donc il est servi, même s'il perd, il a perdu donc pas mal de ballons. Mais c'est pas mal quand même de la part de Fabian Ruiz. Donc Barcola aussi, un très bon match pour moi, c'est l'homme fort en première période. Hein. Il mérite quand même cette note de 7,7. Donc oui, c'est l'homme du match côté parisien pour l'instant. Il est en train quand même de nous sortir un match exceptionnel. Il est en train quand même de poser beaucoup de difficultés à Jules Koundé. 7,7 quand même pour Barcola. Incroyable, incroyable. Mbappé, c'est pas ouf. C'est pas ouf pour le moment. Donc on va voir quand même donc, ce que Mbappé va nous proposer pour l'instant. Une première période assez quand même mou quand même donc, pour Kylian Mbappé. On le voit des fois, il décroche. Donc il n'a pas assez de solutions. Donc il n'est pas trouvé quand même en profondeur. Les maigres ballons, pour moi, l'occasion quand même, c'est potable. Ça pouvait être un ballon quand même donc de deux donc pour les Parisiens. Cette passe où Mbappé devait faire la déviation pour Dembélé, il devait faire la passe. Hein. Il devait faire la passe. Là il voulait contrôler la balle, c'était compliqué. Dembélé avait parfaitement raison. Dembélé quand même, donc on a vu quand même son rêve avec Cancelo, même s'il ne passe pas tout le temps.
mais quand même, le match de Dembélé n'est pas assez mauvais. Il a marqué donc une note de 7,6 en première période. Ça va quand même, les gars, en première période, ce qu'on peut retenir, c'est un match donc, où le Paris Saint-Germain a fait une très bonne entame. Là, comme au match aller, ils ont pris quand même ce but donc, sur une erreur quand même donc, de Nuno Mendes. Donc, ce centre, ce travail exceptionnel de Lamine Yamal. Donc, qui, et ce ballon donc, qui touche donc, le pied de Rafinha et qui permet au Barça de mener à 1-0. Après, on a vu donc, ce qu'il y a. Donc, c'est cette faute donc, idiote de la part de Lauro et carton rouge pour le Barça. Et là, donc, Paris donc, a réussi donc, à marquer, surtout avec l'intermédiaire de Ousmane Dembélé. Et là, donc, ça fait un but partout donc, pour l'instant. Même si l'avantage pour l'instant est du côté du Barça, Paris doit marquer encore une fois pour espérer les prolongations. Si Paris marque deux buts, Paris va se qualifier donc pour les demi-finales. C'est simple, c'est simple. Là, on va voir Kylian Mbappé hein, pour essayer de juger qu'on peut son match. Là, on déplace ça. Là, on déplace ça pour voir. On va voir le match un peu de Mbappé. On le voit, il bouge beaucoup. Hein. Il bouge beaucoup Mbappé. Hein. On voit ses déplacements. Donc, il n'est pas assez fixe, même s'il joue devant. Mais il n'est pas fait qu'il bouge beaucoup. Hein. Donc, Minusué, donc la première période, si on regarde. Zéro but, une passe décisive, donc zéro passe pour l'instant. Donc, c'est pas lui qui fait la passe décisive et c'est normal. Tir cadré, donc un seul tir. Donc, pour l'instant, Mbappé, donc c'est comme au match aller. Il a un seul tir, donc pour l'instant. Et le tir est cadré, donc tir non cadré. Donc, deux tirs, donc pour l'instant dans ce match. Deux tirs, donc il a un seul tir cadré. Donc, plus que donc au match aller. Hein. Plus qu'au match aller où Mbappé avait un seul tir. Hein. Donc, grosse occasion. Donc 21 ballons poussés. C'est peu pour l'instant, une première période assez compliquée quand même pour Kylian Mbappé. On va voir quand même donc la première période de Barcola pour essayer de juger toujours avec l'application sur passeport. On voit quand même Barcola qui est donc scotché sur le côté quand même Gousse. Il est assez impliqué en Barcola. Il est assez impliqué, il a délivré une passe décisive. Et pour l'instant, quel match quand même donc pour le gamin. Et les gars, on va voir la deuxième période quand même, qu'est-ce que cela va donner. Mais une chose est sûre, hein, donc là tout va se jouer maintenant. C'est bon. Tout va se jouer maintenant, les gars. Tout va se jouer maintenant, les gars. Tout va se jouer maintenant, les gars. Tout va se jouer maintenant. Ah ouais. Tout va se jouer maintenant. On va voir. Allez, les gars, la deuxième période va commencer dans quelques minutes. Et moi qui a vu quand même donc, le pari encaissé donc trop tôt. Et là, on peut dire, c'est le carton rouge qui sent ce match. Hein. C'est le carton rouge, les gars, qui sent tout. Benzema, salut Eli, de quoi pensez-vous le kit Real demain? Ça va passer, Benzema. On va se qualifier. On va se qualifier carrément. Benzema, Real va se qualifier demain, Inch'Allah. Et ça, c'est sûr. Real va se qualifier demain. Allez, les gars. Allez, la deuxième période va commencer dans quelques minutes. Et allez, une très belle première période. Là, on observe de près, les gars, cette deuxième période. Qu'est-ce que cela va donner? Allez, on continue. On bouge. On tente. On bouge. Allez, on voit Lamine Yamal. Les gars, il est frustré, on sait. Hein. Il ne voulait pas sortir. On a vu quand même sa tête. Hein. Il ne voulait pas sortir. Hein. Ouais, il voit carrément, les gars. Il était dans son match. Hein. Yamal, il était dans son match. Là, on peut dire le carton rouge. C'est à cause d'Araujo. Hein. Si le Barça. On sait pas pour l'instant. Là, ça va se jouer maintenant. Soit le Barça marque. Soit le Barça quand même essaie de garder ce score, c'est un but partout, par exemple. Là, si c'est un but partout, le Barça passe. Sinon, ça va être difficile. Allez, c'est bon, les gars.
Olé, oh, oh. On va vanter l'eau. Allez, on est bon les gars. Allez, les 22 acteurs sont là. Les 22 acteurs sont là. On voit les Catalans. C'est donc les premières ligas qui vont... qui sont sur la pelouse. Allez, ça joue maintenant. On sait les Parisiens pour l'instant. Ce sont les Catalans les gars qui sont... ils sont les premiers sur la pelouse. Hein. Ouais, le discours va être intéressant. Le discours va être intéressant. Ouais, surtout hein, carrément côté parisien. Là, ça va taper fort. Hein. Là, c'est maintenant, ils ont 45 minutes. Hein. 45 minutes pour soit ça passe, soit ça casse. Hein. C'est simple. Là, ils doivent tout donner. Là, ils doivent tout donner. Hein. L'implication, tout donner. Tout. Parce que là, les gars, la deuxième période va être rapide. Hein. Carrément. La deuxième période va être... Allez, on voit Rafinha. Ah, c'est buteur. Hein. Buteur Rafinha, intéressant. Même si quand même, Yamal aussi était intéressant. Allez, on voit Inigo Martinez. Allez, l'international espagnol. Allez, les Parisiens sont là. Les Parisiens sont là. Bah, ils ont besoin, les gars, d'un très bon Kylian Mbappé. Hein. Pour moi, si Paris a un très bon Kylian Mbappé en deuxième période, ça va passer. Si Paris a un très bon Kylian Mbappé donc, en deuxième période, ça va passer. Mais pas le Mbappé en première période, non. Pas le Mbappé en première période. Pour moi, s'ils ont Mbappé un très bon Mbappé en deuxième période, ça va passer. Parce que Dembélé seul, donc, parce que là, il est percutant, Dembélé c'est pas mal. Mais si Mbappé aussi, donc, est impliqué, les gars, pour moi, ça va passer. Si Mbappé est impliqué en deuxième période, ça va passer. Ah ouais. Ah ouais. Surtout avec les centres de Barcola, donc, ça peut passer. Allez, on voit qui est là. Qui est là? Allez, l'arbitre! Allez, va donner le coup d'envoi de cette deuxième période et c'est reparti, les amis! Allez, on a 45 minutes, les gars, pour voir entre le Barça et le Paris Saint-Germain qui va se qualifier pour les demi-finales. Là, les amis, allez, c'est parti! Allez, on va récupérer Kevin par les. Allez, par les Catalans avec la protection de balle tranquille de la part d'Aka. D'Akimi. Et c'est bon, on va sortir en touche. Allez, le grand maître. Allez, on y va. Allez, on va récupérer Kane sur le côté, conseil dégagement devant, attention, l'intervention sur le côté, ça revient. Allez, la passe de Gundogan. Allez, pour De Jong. Allez, cette balle sort en tous. Allez, c'est récupéré Kane par les Parisiens. Allez. Allez, dégagement devant, ça revient avec le contrôle tranquille quand même de la part de De Jong, la déviation de Rafinha, bon, on peut récupérer quand même par les Parisiens, dans le recentre avec Mbappé. Allez, Mbappé qui trouve sur le côté, bon, on va récupérer par Barcola. Allez, Barcola face à Koundé, encore une fois, c'est le but à la cifre. Barcola pour Mbappé, Mbappé qui va essayer de rentrer avec son pied droit. Mbappé qui va trouver Barcola, le ligne d'attente avec sous Koundé, la projection de balle de Koundé. Allez, qu'est-ce qui se passe? Elle sortie de but. Sortie de but. Allez, sortie de but. Allez. Allez, ça bouge, allez, on voit ça bien. Il sait carrément que tout va à ses yeux maintenant. Allez, on va récupérer Kane par Ter Stegen. Le dégagement de Ter devant. Attention, raté, ça revient. Mais récupérer Kane, ballon repoussé par. Allez, Martinez. Allez, Inigo Martinez qui rate complètement sa tête. Allez, on va récupérer Kane par. Allez, sur le côté droit, ça revient encore une fois avec Hakimi. Hakimi pour Vitinha. Allez, Vitinha derrière, allez pour Marquinhos, Marquinhos pour Lucas Hernandez. Allez, Hernandez, la passe d'Hernandez sur le côté gauche, bien joué vers Barcola, encore une fois, attention, Barcola. Rafinha est là pour donner quand même coup de main à Koundé. Allez, on va récupérer toujours par les Parisiens avec Vitinha. Allez, Vitinha, il y a Dembélé qui décroche, il est servi, on va récupérer pour Ousmane Dembélé. Il y a Hakimi sur le côté droit, Dembélé, attention, le dribble de Dembélé, le centre de Dembélé contré. Allez, le retour quand même de Pedri, attention. Allez, Dembélé est là, attention, la passe de Dembélé contré par Pedri, ça sort en plus. Allez, ça bouge. Allez, jouer rapidement.
avec Hakimi. Allez, la passe Hakimi, allez, qui trouve dans le rond central. Allez, tranquillement avec Lucas Hernandez. Allez, Hernandez pour Marquinhos. Marquinhos pour Hakimi. Allez, Hakimi. Hakimi face à Pedri. Hakimi toujours. La passe d'Hakimi derrière. Allez, pour Vitinha. Allez, Vitinha. Allez, pour Lucas Hernandez. Allez, Hernandez pour Vitinha. Allez, Vitinha toujours. Yannino Mendes. Il va trouver Kaim Barcola. Attention, Barcola. Barcola. La passe de Barcola. Allez, pour trouver Vitinha. Attention, l'appel devant Kaim de Dembélé. Et il n'a pas vu. Il va garder la balle. Bon, récupérer toujours par Vitinha qui va devrir sur le côté. Bon, récupérer Kaim par Barcola. La passe de Barcola derrière. Allez, pour Kylian Mbappé. Attention, Mbappé. La passe de Mbappé. Allez, qui trouve sur le côté tranquille avec Marquinhos. Allez, ça se rapproche avec Hakimi. La frappe. Et ce ballon sauvé. Sauvé par Ter Stegen. Il était battu carrément. Allez, c'est frappe carrément. Et la Ter Stegen. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Et il est en corner. Allez, corner joué rapidement par Dembélé. Allez, Dembélé qui va trouver Hakimi. Hakimi pour Dembélé. La passe Dembélé derrière. Ça revient avec le contrôle de Vitinha. Le sac de Vitinha. Le bouton. Le contrôle de Barcola. La frappe de Barcola. Attention. Et bon, on a capté quand même par Ter Stegen. Aïe, aïe, aïe. Quelle opportunité. Quelle opportunité pour les Parisiens. Allez, bon, on va dégager devant rapidement avec Rafinha. Et attention, attention, il y a Enzo Rossol et Rafinha va mettre ce ballon. Rafinha va mettre ce ballon. Aïe, aïe, aïe. Rafinha va mettre ce ballon. Allez, Rafinha va mettre ce ballon, les gars. Quelle opportunité, hein. Quelle opportunité. Allez, rapidement. Allez, on va récupérer Kane Parra. Avec les dégagements devant. Allez, dégagement devant de Ter Stegen. Attention avec le contrôle tranquille. Allez, Lewandowski qui perd cette balle. Allez, duel gagné par Lucas Hernandez. On va récupérer quand même par Marquinhos. Allez, Marquinhos qui récupère la balle. Allez, Marquinhos qui va essayer d'avancer. La passe de Marquinhos qui décale pour le corps. On va récupérer par Nuno Mendes. La passe de Mendes. Allez, qui décale vers Fabien Ruiz. Allez, vers Barcola. Barcola face à Koundé. Attention. Allez, Barcola. Est-ce qu'il va réussir encore une fois à passer Barcola? Allez, ça va passer Barcola. Et cette fois-ci, l'international français, Jules Koundé gagne son duel. Et la passe vers, attention avec Lewandowski. Allez, Lewandowski, attention, c'est lui qui commet la faute. Allez, sur Lucas Hernandez. Allez, carton zone pour Lewandowski. Ouais, c'est méritant. Il est en retard. Et carton zone. Allez, c'est le premier carton. Alors, il y a un carton rouge tout à l'heure pour Aroro. Et carton zone pour ouais, un match assez compliqué hein, pour Lewandowski. Allez, carton zone. Hein. On sait il est scellé devant. Et c'est pas facile. Allez, carton zone pour Lewandowski. Allez, rapidement. Allez, on va récupérer Kaimba par Lucas Hernandez. Allez, Hernandez tranquillement. Allez, qui va trouver Kanem Marquinhos. Allez, Marquinhos qui décale pour le côté droit. Allez, bien joué de la part de Marquinhos qui trouve Nuno Mendes. Attention, l'appel de Kylian Mbappé. Il est en position d'orge. On va récupérer Kaimba par Vitinha. Allez, Vitinha qui décale pour le côté avec Hakimi. Attention, le centre d'Hakimi dévié. Ça revient repoussé par la défense. Allez, pourquoi pas. Allez, le contrôle tranquille quand même de. Allez, le contrôle tranquille de la part quand même de Lucas Hernandez. Très bon match. Très bon match quand même de Hernandez. Allez, pour Donnarumma. Allez, Donnarumma. Allez, qui trouve quand même Marquinhos. Allez, Marquinhos pour Hakimi. Hakimi toujours, la part Hakimi. Avec attention, le contrôle de Zaïre Emery. Et sur le pressing quand même de Jong. Mais il s'en sort quand même. Il s'en sort quand même de Jong. Allez, on va récupérer quand même par le militaire. On va récupérer par Vitinha. Allez, Vitinha, l'accélération de Vitinha. L'appel d'Hakimi. Attention, la passe vers Dembélé. Le contrôle de Dembélé. Dembélé toujours. Dembélé. Allez, la passe vers Mbappé. Allez, pourquoi pas. Mbappé qui décale sur le côté. Fabien Ruiz. Oh, et cette frappe qui passe à côté. Quelle opportunité pour les Parisiens. Pour les Parisiens, notamment Fabien Ruiz. Aïe, 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 aïe. Ah, il doit finir là. Il doit finir là. C'est le passe de Mbappé là. Ah, il s'est frappé, trop croisé, ah, c'est trop croisé. Ah, c'est trop croisé. Ah, il a trop croisé sa frappe. Il a trop croisé sa frappe, Fabien Ruiz. Ah, il a trop croisé sa frappe. Allez, dégagement devant. Allez, de Donnarumma, attention, Lewandowski. L'élimination, allez, on va récupérer Kaim sur le droit avec Hakimi, les dégagements d'Hakimi, ça se rend tous. Allez, allez, sur le côté gauche, allez, Cancelo, allez, Cancelo pour Lewandowski, les gars, quel match compliqué quand même. On sait, on peut dire que les gars, le carton rouge a tout changé, c'est normal.
Allez, vont récupérer et ça ne va pas être facile quand même pour les Catalans. Ils doivent tenir pour soit pour marquer, soit essayer de garder ce score. Allez, vont récupérer quand même pour pas les Parisiens, oublie Terran. Avec Marquinhos, allez tranquille, Marquinhos toujours la passe de Marquinhos. Allez, qui décale pour le côté vert, Dembélé. Attention Dembélé face à Cancelo, le sang de Dembélé. Allez, dégagé quand même par la défense, notamment par Inigo Martinez. Et ça sort en tous. Allez, tous récupérés par les Parisiens, ça pousse quand même. Avec Hakimi. Hakimi qui trouve avec le contrôle tranquille de Vitignan. Allez, tranquille, hein. Vitignan tranquille. Compiedri. Allez, qui trouve Mitterrand. Allez, vont récupérer par Lucas Hernandez qui va décaler sur le côté gauche vers Nuno Mendes. Allez, pour Barcola. Barcola sans Koundé. Allez, Barcola toujours l'appel de Fabien Ruiz. Barcola qui va rentrer avec son pied droit. Allez, la passe vers Vitignan. La déviation sur le côté gauche récupérée par Nuno Mendes. Allez, Mendes qui décale sur le côté vers Fabien Ruiz. Attention, Fabien Ruiz. Allez, le conseiller, le retour de Rafinha qui décale vers Nuno Mendes. Allez, Mendes. Allez, pour Kylian Mbappé. Mbappé. Allez, qui s'arrête, qui rate son contrôle. Il va se rattraper. Qui décale sur le côté vers Dembélé. Attention, le centre de Dembélé contre Ekonder. Allez, corner pour le Paris Saint-Germain. Ça sera poisson. Ça sera propre pour les Parisiens. Allez, c'est centre de Dembélé contre Mbappé et corner. Attention, et c'est lui. C'est lui qui va botter ce corner. On va suivre de près ce corner. Qu'est-ce que ce corner va donner? Allez, on voit la concentration de Zaïre Emery. Ouais, c'est énorme, les gars. C'est énorme ce match. Allez, corner. Allez, corner, joué à la Rémoise. Allez, ça revient avec Hakimi. Allez, la passe Hakimi, beaucoup d'espoir testé avec Vitinha. L'offre de Vitinha. La défense était trop laxée, gardez beaucoup d'espace. Beaucoup d'espace de ce par Vitignan. Les gars, c'est trop facile. C'est trop facile, c'est trop facile pour Vitignan. Pour un. Allez, c'est trop facile, c'est trop facile ce pass. Il n'y a personne sur lui. Là, il a pris son temps, il a contrôlé et il a frappé. Et là, il permet au Paris Saint-Germain sur l'ensemble des matchs. 4-4. Et ça va être compliqué pour les Barça. Ça va être compliqué pour Barça. Ça va être compliqué pour Barça. Allez, attention, on récupère quand même par Lewandowski. Ça revient. Attention. Et cette frappe. Cette frappe de Gundogan qui passe à côté. Allez, les gars, c'est trop facile. Et c'est les mêmes buteurs. Hein. C'est les mêmes buteurs, les gars, au match aller. Hein. C'est les mêmes buteurs au match aller. Hein. Rafinha avait marqué. Dembélé avait égalisé. Après, Vitinha a marqué les deux buts. C'est énorme. C'est fou. C'est fou ce match. C'est fou ce match, les gars. C'est trop facile. Hein. C'était trop facile, hein, celui de Vitinha. Il n'y a personne sur lui. Il n'y a personne sur lui. Il n'y a personne sur Vitignan. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne sur Vitignan. Et là, Savi, il n'est pas content. Ah ouais, c'est normal. C'est normal, il n'est pas carton. Et carton rouge pour Savi. Et carton rouge pour Savi. Allez, les gars, ça va être compliqué. Et carton rouge, les gars, pour un. Ouais, il va continuer le match hein, dans les tribunes. Il va regarder, les gars. Il va continuer le match dans les tribunes. Il n'est pas content. Il est en train, les gars, de. Ouais, il n'est pas content. Et pour moi, il n'est pas content. Aïe, 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 aïe. La réaction de Savi, les gars, veut tout dire. La réaction de Savi veut tout dire. Et là, il y a un carton rouge. Hein. Et carton rouge pour Savi. Hein. Deux cartons rouges. Le sélectionneur et le défenseur. Allez, ça va être compliqué. Hein. Je ne sais pas. Allez, on va récupérer. Les gars, si le Barça qu'aime, les gars, ne se remet pas, ça va être compliqué. Attention, le Santa qui lui vient Barcola. Et la sortie tranquille quand même de Ter Stegen. Ah là là, c'était trop facile, c'est bien. C'était trop facile ce bien. Oh là 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 là. Allez, dégagement devant. Avec Ter Stegen. Allez, dégagement de tir devant. Allez, pour aller chercher le tout côté. Allez, allez, vont récupérer par les Paris avec Marquinhos. Allez, Marquinhos pour Hakimi. La porte Hakimi. Allez, tranquille. Avec Vitignan. Allez, Vitignan pour Hakimi. Attention, les dribbles d'Hakimi. La passe devant, c'est bien joué. La part d'Hakimi, la déviation, on la perd récupérer quand même par les Catalans. Allez, tranquille. Allez, sur le côté gauche avec l'accélération de Pedri. Allez, Pedri qui garde la balle. Pedri toujours. Les dribbles de Pedri. L'appel sur le côté gauche quand même de Cancelo. Il est servi. Allez, pourquoi pas un bon centre de la part de Cancelo. Le centre vers Lewandowski. Allez, c'était de Lewandowski qui est brillant. Allez, capté tranquillement par Donnarumma. Allez, qui va relancer rapidement. On va aller puer quand même de Dembélé. Quel match aussi, les soins de Dembélé. Allez, Dembélé, il y a Barcola. Attention, la passe en profondeur par les CRC, Kylian Mbappé. Allez, contrer, récupéré quand même par. Récupéré par Koundé. La passe de Koundé, allez, contrer, récupéré par les Parisiens. Avec
Zaïre Emery, allez pour Fabien Ruiz, attention pourquoi pas la frappe, il est calvaire Kylian Mbappé. Mbappé, la passe de Mbappé pour Fabien Ruiz. Allez, c'est compliqué pour l'instant pour Mbappé. Allez, c'est bon, on récupère tranquillement à partir Stegen. Les gars, ça va être difficile. Et les gars, ça va être difficile, les gars. Ça va être compliqué, les amis. Ça va être compliqué. Salut Aboubaba. Ça va être compliqué, les gars. Allez, dégagement devant, ça revient. Attention, le pire de récupérer Kim Paléa. Allez, par les Parisiens. Allez, la passe derrière Fabien Ruiz. Attention, Barça. Ça se rapproche. Allez, la passe vers Barcola. Barcola face à Koundé. Barcola dans la surface. Barcola, les dribbles de Barcola. Allez, qui décale vers Zaïre Emery. Zaïre Emery qui décale sur le coup de gauche. Ça va être au contrôle. Attention avec Dembélé. Oh, il y a un penalty pour le bas. Penalty pour le Paris Saint-Germain. C'est une faute de Cancelo. Il y a penalty. Et c'est une faute de Cancelo. Penalty. Il y a penalty. Et les gars, c'est difficile. Il y a Peno. Il touche pas la balle, il y a Peno. Il touche pas la balle, les gars, il y a Peno. Il y a Peno. Même s'il y a la VAR. Il y a Peno, les gars. Quelle erreur de Cancelo. Les gars, c'est ça le football. Hein. Ça se joue carrément sous les détails. Hein. Allez, attention, il y a la barre, les gars. Et il y a Peno. Cancelo ne joue pas la balle. Allez, on attend la validation et c'est validé. Il y a bel et bien pénalty pour le Paris Saint-Germain. Allez, c'est Kylian Mbappé qui va tirer ses pénaltys. Une balle d'égalisation peut-être dans le pied de Kylian Mbappé qui a raté Kane. Donc, son match allait tellement critiqué Kylian Mbappé. Allez, Mbappé pour permettre, pourquoi pas. Allez, attention, l'arbitre qui est en train de parler avec Ter Stegen. Allez, Kylian Mbappé, allez face à Ter Stegen. Une balle de 3-1, une balle de calibre peut-être pour les Parisiens. Allez, la concentration de Kylian Mbappé. Il sait aujourd'hui quand même qu'il a une balle de calibre dans ses pieds. Allez Mbappé face à Ter Stegen. Allez Ter Stegen face à Kylian Mbappé. On va voir de près. Donc est-ce que Kylian va réussir à permettre donc aux Parisiens de passer devant sur l'ensemble du match. Allez la concentration de Kylian Mbappé. Allez attention l'arbitre tarde quand même à siffler. Allez Mbappé face à Ter Stegen. Kylian Mbappé. Les gars, c'est fou. Penalty très bien tiré. Hein. Très bien tiré. Et là, là pour l'instant, les gars, le Paris Saint-Germain est en demi-finale. On va voir quand même. Mais ça va être difficile hein, pour les Parisiens. Ça va être difficile. Je sais pas comment. Ça va être compliqué. Je sais pas comment ils vont réagir, mais ça va être difficile. 3-1, les gars. 3-1. Peut-être les gars, c'est l'année du Paris Saint-Germain, on sait jamais. Allez, Ferran Torres qui rentre à la place de Pedri. Allez, Pedri qui cède sa place. Remplacé quand même par Ferran Torres. Allez, les gars, c'est fou. Allez, Mbappé. Allez, dégagement devant. Attention, ça revient. Allez, la faute de Marquinhos, c'est coup franc. Allez, c'est fou. Cette faute de Marquinhos, c'est coup franc pour les gars. C'est pas fini, les gars. Pour moi, c'est pas fini. Ah, ils vont tout faire. Pour moi, l'erreur quand même qu'ils sont à pour les Parisiens, l'erreur que les Parisiens ne doivent pas faire, les gars,
essayer de reculer. Non, non. Parce que là, on est à la 102e minute. Là, ils doivent continuer comme ça. Mettre le pressing, récupérer les balles. Essayer encore une fois de jouer donc dans le cas adverse. C'est ça. C'est ça. Mais ici, par malsens, les Parisiens vont laisser la balle au pas au Catalan. Attention, la passe devant, pas de position de jeu. Allez, le contre derrière. Oh ! Et le retour exceptionnel quand de Barcola. Allez, Barcola qui dégage ce ballon. Allez, attention. Attention. Non, il n'y avait pas de pression d'argent. Il y avait Dembélé qui couvrait. Il y avait Dembélé qui couvrait. Attention, il y a corner pour les Catalans. Allez, c'est Gundogan qui va voter ce corner. Allez, attention, attention, attention. Allez, on va Kovacic avec Donnarumma. C'est pas fini. Hein. C'est pas fini. Gaffe aux Parisiens quand même parce qu'un but, les gars. Allez, attention. Allez, corner. Allez, c'est Gundogan qui va botter ce corner. Allez, Gundogan pour côté pour botter ce corner. Allez, on va suivre de près ce corner. Attention, attention. Allez, corner tiré par l'Allemand. C'est rentrant. Allez, repoussé par la défense. Ça revient toujours avec l'accélération de Rafinha. Rafinha qu'on va trouver Gundogan derrière. Ça revient toujours. Allez, on va récupérer quand même par Rafinha. La patte de Rafinha devant. Attention avec la déviation. Il y a faute. Et l'arbitre va arrêter les yeux. Attention, les deux sont. Il y a son avantage. Pourquoi pas. Attention. Oh, oh, penalty. Non, il n'y a rien. Attention, attention, attention. Attention. Allez, pour y a rien. Même si Gundogan. Y a rien. On va voir. L'intervention de Rafinha. Non. Y a rien. Y a rien. Estime l'arbitre et c'est normal. Y a rien. Estime l'arbitre et c'est normal. Y a rien. Les gars, match Dortmund 2-2. Allez, c'est vous. C'est pas fini, non. Il n'y a rien. Même si qu'il y a là-bas. Et l'arbitre est en train quand même de surveiller des cartons sur le banc du Barça comme pas possible. Hein. Il est en train de distribuer des cartons comme pas possible. Il n'y a pas péno. Allez, je reprends. C'est pas fini. Hein. Allez, dégagement devant. Allez, ça revient toujours de l'autre côté. Allemand récupéré quand même par les Catalans avec Cancelo. L'erreur pour les Parisiens, les gars, c'est de ne pas reculer. Voilà, si Paris parle mal sens. Bon. Allez, on récupère quand même par Fabien Ruiz. Allez, Fabien toujours. Allez, Mbappé sur le côté. Attention, Fabien Ruiz. Il va trouver quand même Barcola. Quel match aussi de Fabien Ruiz. Allez, pour Barcola. Allez, Barcola toujours. Allez, Barcola et position d'orge. Position d'orge. L'erreur, les gars, pour les Parisiens, c'est de ne pas, les gars, faire bloc bas. Voilà, s'ils font ça, les gars, ils vont le regretter. S'ils font ça, ils vont regretter. Allez, on va dégager devant, ça revient. Attention, récupérer quand même de l'autre côté. Allez, tranquille. Avec... Allez, la passe de l'autre côté. Allez, attention, je vais faire. Allez, on va récupérer par les Parisiens. Allez, dans l'entrejeu avec... Allez, c'est bien. Exceptionnel de Vitignan. Pour moi, la défense, elle est trop là. Il n'y avait rien. Allez, on va récupérer par Marquinhos. Allez, Marquinhos, toujours l'appel quand même sur le côté droit. Allez, les servis vont récupérer par Dembélé. Allez, Dembélé pour Marquinhos. Allez, Marquinhos qui va trouver son compère défensif. Allez, Lucas Hernandez aussi. Quel match aussi d'Hernandez. Allez, Hernandez, pour l'instant, la qualification, il est acquise. Hein. Paris à quelques minutes, donc, pour voir les demi-finales. Allez, bon, pour Marquinhos, la passe de Marquinhos, allez pour Kylian Mbappé, la déversée de Kylian, ça revient dans le rond central, avec la passe sur le côté gauche tranquillement, récupéré quand même par, allez par Dembélé, allez, on récupéré par Fabien Ruiz, allez Fabien, dans le rond central, derrière, allez, Lucas Hernandez, allez, Hernandez pour Marquinhos, Marquinhos pour Dembélé, Dembélé qui ressort derrière, allez pour ça, pour Hakimi, Hakimi pour... Non, pas ça, c'est pas ça, on l'a devenu, mais ça. Et on dégage devant, ça revient. Allez, récupéré dans l'entrée. Attention avec la Pelkin sur le côté gauche de Barcola. Il est servi. Allez, Barcola pour aller donc défier Koundé. Allez, la passe de Barcola. Allez, pour trouver quand même donc Kylian Mbappé. Allez, Mbappé sur le côté gauche vers Nino Mendes. Mendes pour Vitinha. Allez, Vitinha qui ressort derrière.
Allez pour Marquinhos. Allez Marquinhos sur le côté gauche tranquille. Allez pour Dembélé. Allez Dembélé toujours. Attention, l'appel quand même devant de Hakimi. La part Dembélé qui décale vers Fabien Ruiz. Il est partout. Hein. Il est partout Fabien Ruiz. Allez Fabien pour Hakimi. Hakimi toujours avec Ousmane Dembélé. Attention, le centre de Dembélé. Allez, contré, ça sort. Allez, c'est simple, contré par Inigo Martinez. Allez, c'est centre contré par Inigo Martinez à 60. Ça sort en tous. Allez, regarde vous devant. Allez, on va récupérer Kane sur le côté tranquillement avec. Allez, la passe. Allez, allez, Nuno Mendes. Allez pour Vitinha. Allez, Vitinha dans le rond central pour Marquinhos. Marquinhos pour Vitinha. Allez, Vitinha, ils font tourner Kane pour le moment pour les Parisiens. Allez, bon, pour Hakimi. Hakimi qui décale sur le côté. Allez, pour trouver quand même Ousmane Dembélé. Allez, Dembélé face à Cancelo. Le centre Dembélé. Allez, contré par Cancelo. Allez, corner pour le Paris Saint-Germain. Allez, c'est la division, là. Corner pour le Paris Saint-Germain. Ça va être injouable, peut-être. Allez, corner joué à la Rimonde avec Fabien Ruiz. Allez, Fabian. Allez, la part de Fabian derrière. Attention avec Vitinha. Allez, Vitinha, l'appel de Dembélé. Allez, Vitinha qui garde là-bas. La part de Vitinha qui décale sur le côté gauche. On va récupérer tranquillement. Ils font tourner pour le moment. Allez, sur le côté avec Barcola. Le centre Barcola vient Marquinhos. Allez, dans les bras. Dans les bras, Kane de Ter Stegen. Allez, qui va relancer rapidement Ter Stegen. Attention avec Rafinha. Le contrôle manqué. Le retour encore une fois. Exceptionnel de Lucas Hernandez. On va récupérer Kane par les Parisiens. Hakimi. Hakimi pour Kylian. Allez, Kylian pour Kylian. Attention, le centre de Kylian. Il n'y a personne pour couper ce ballon. Allez, ça revient. On va récupérer Kane par Cancelo. Allez, Cancelo qui récupère la balle. La passe de Cancelo ratée. On va récupérer pour Fabien Ruiz. Fabien toujours. Les dribbles de Fabien. La passe de Fabien qui est sur le côté. Allez, récupérer tranquillement avec Hakimi. Hakimi pour Dembélé. Les gars, c'est facile pour les Parisiens. Pour le moment, c'est facile. Le Barça ne. Les Catalans ne savent pas, les gars. Allez, pour le moment, c'est compliqué. Allez, vont récupérer par Vitinha. Allez, Vitinha. Allez, pour retrouver Kane sur le côté gauche. Allez, la déviation, ça revient encore une fois. Allez, récupérer par Fabien Ruiz. Allez, Fabian. Allez, la passe. Allez, pour Barcola. Barcola pour Fabian. Fabian pour Nuno Mendes. Tranquillement pour Vitinha. Quel match. Vitinha toujours, la part de Vitinha. Allez devant pour trouver quand même Kylian Mbappé. Allez Mbappé qui décale derrière avec pour Fabia. Pour Lucas Hernandez. Attention, la passe sur le côté gauche. Allez tranquillement. Allez pour Barcola. Allez, ça, ils font tourner. Ils font tourner. Mais attention. Attention. Essayez de marquer un autre but. Pour l'assurance. Allez tous pour les Parisiens. 20 minutes temps. 20 minutes à tenir. 20 minutes à tenir. Paris Rec. Et ça peut pas. Et ça va. Je sais que demain, les gars, de nous voir. Et ça peut faire mouiller les galbans. Djamjaï, c'est à vous continuer. Allez, dégagement devant. Attention avec l'intervention, l'accélération d'Hakimi. Et la faute. La faute sur Hakimi, coup franc. La faute sur Hakimi, coup franc. Allez, cette faute quand même de Ferran Torres. Ah, il est en retard. Il est en retard. Il est en retard et coup franc. Allez, on va récupérer derrière. Allez, la passe devant. Allez, récupérer tranquillement avec. Allez, Vitinha. Allez, Vitinha pour Lucas Hernandez. Allez, pour Donnarumma. Allez, Donnarumma qui décale sur le gros droit avec Hakimi. La déviation d'Hakimi. Allez, Hakimi qui rate quand même ça. Cette déviation et ce ballon sort en tous. Allez, récupérer quand même par les Catalans. Allez, attention. Allez, attention. Il reste du temps. Et tout peut se jouer. Et tout peut se passer, autant pour moi. Tout peut se passer. Allez, on va récupérer Kane par les Catalans. Allez, sur le côté avec De Jong. Allez, De Jong, toujours la passe de De Jong derrière. Pour trouver Kane, son gardien. Allez, Ter Stegen. Allez, Ter Stegen qui va essayer d'allonger devant. Allez, Ter Stegen, les dégâts devant. Attention, on va contrôlera. Le contrôle raté de Lewandowski. Allez, on va récupérer par Hakimi. Hakimi pour Nuno Mendes. Allez, Mendes toujours. La passe de Mendes qui décale sur le côté. Ça revient toujours. André récupérer tranquille. Attention, on veut pour Mbappé. La passe est trop forte pour trouver Mbappé en profondeur.
Allez. Ah, il ne faut pas, les gars, faire l'erreur quand même de penser que tout est nickel. Allez, le contrôle de Rafinha, tranquille, Rafinha, allez, qui trouve. Attention avec Lewandowski, Lewandowski. Oh, c'est flop. Il est là, l'exceptionnel de Donnarumma. C'est pas fini, ça revient toujours dans le pied quand même de Gundogan. Allez, Gundogan qui décale vers De Jong. Allez, la frappe de De Jong qui décale sur le droit. Attention avec Koundé. Allez, Koundé qui va réussir quand même à contrôler ce ballon, le centre de Koundé. Allez, dans les bras de Donnarumma. Quel arrêt. Quel arrêt de Donnarumma, les gars, pour gagner la Ligue des Champions. Il faut quand même un très bon gardien. Et là, Donnarumma, quel arrêt Donnarumma, cette frappe quand même de Lewandowski. Ah, même si quand même cette frappe, les gars, n'était pas assez fermée. Mais là, quel arrêt quand même de Donnarumma. Ah, ils font gagner la Ligue des Champions, les gars. Ils font quand même un très très bon gardien. Et là, Donnarumma. Et là, allez, attention, on va le récupérer quand même sur le côté avec l'accélération de Barcola. Attention Paris, attention Paris, attention. Il suffit un but pour les Catalans quand même de... Pourquoi pas d'aller chercher les prolongations. Attention, on va le récupérer quand même par De Jong. Allez, pressé de près par Fabien Ruiz, encore une fois De Jong. Allez, la passe contrée quand même par Barcola. Ça revient à récupérer toujours quand même par les Catalans. Allez, derrière, avec Ter Stegen. Allez, Ter Stegen qui va trouver quand même Kubacki. La passe de Kubacki devant. Allez, le contrôle de Lewandowski qui décroche la passe de Lewandowski. Les quatre sur le côté. Allez, pour trouver quand même Inigo Martinez. Allez, Martinez pour Ferran Torres. La passe de Ferran Torres pour Inigo Martinez. La passe de Martinez derrière. Ça revient toujours vers Ter Stegen. Allez, Ter Stegen. Ter Stegen qui allonge devant. La passe de Ter Stegen devant. Attention à la déviation de la part de Rafinha. Ça donne rien. Allez, le retour d'Hakimi. La passe d'Hakimi derrière. Allez, pour trouver quand même son gardien Donnarumma. Attention, Donnarumma pressé de près par Rafinha. Et les dégagements. Catastrophe quand même Donnarumma. Et ce ballon sera tous. Attention. Attention, les gars. Attention. Les dernières minutes vont être. Allez, on va récupérer quand même par les Catalans avec Inigo Martinez. La déviation. Lewandowski qui rate complètement sa passe. Lewandowski qui rate complètement sa passe. Allez, on va. Il est en train quand même de se poser des questions. C'est foot à foot. C'est quoi foot à foot? C'est quoi foot? Paris moi et Real. Real moi et Paris. Gaming. Ah, c'est ça. Allez, dégagement devant. Allez, attention, ça revient. Allez, avec Barcola qui va essayer quand même là. Allez, attention. Attention, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Allez, double changement. Allez, Asensio va rentrer. Et Asensio va faire son entrée. Asensio va faire son entrée. Allez, on va voir. On va voir tout à l'heure. Allez, attention, pousse à... Allez, jouer rapidement. Ça revient toujours avec Kylian Mbappé. Allez, Mbappé qui décale sur le côté. Ça revient encore une fois vers Barcola. Allez, Barcola toujours. Allez, Barcola qui va essayer de passer. On va récupérer quand même par Nuno Mendes. Allez, Mendes, attention, Mendes. Allez, contré par Rafinha. Allez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Allez, il y a encore une pour le Paris Saint-Germain. Et avant ça, double changement. Allez, Asensio va rentrer. Allez, double changement. Allez, attention. Allons voir. Il est assez impliqué, Luis Enrique. Hein. Allez, quel match aussi de Barcola. Hein. Allez, Barcola qui cède sa place. Quel match. Hein. Quel match aussi de Barcola. Hein. Quel match de Barcola, les gars. Quel match de Barcola. Quel match de Barcola. Hein. Et Fabien Ruiz aussi qui cède sa place. Allez, quel match aussi. Hein. Quel match aussi de Fabien Ruiz. Hein. Et les supporters parisiens, oui, oui. Allez, c'est normal. C'est normal. Et Asensio qui rentre. Allez, Asensio qui rentre. Allez. Et Barcola qui est content. Allez, il est content. Et c'est normal. Allez, il y a corner pour les Parisiens. Allez, on va suivre le presse corner. Je vais aller à la Rimoise. Avec Asensio, allez, on va récupérer quand même sur le côté, ça revient toujours, attention. Allez, le centre, le deuxième poteau, allez, il n'y a personne pour reprendre ce ballon. Il n'y a personne pour reprendre ce ballon. Allez, allez, sortie de but. Allez, rapidement, allez, la passe devant, ça revient toujours, on va récupérer quand même de l'autre côté avec le contrôle tranquille. Allez, ils vont essayer quand même d'avancer. Allez, on va récupérer sur le côté droit avec Koundé. Allez, Koundé, la passe dans l'entrée, attention, la déviation de Lewandowski vers Rafinha, allez, une idée qui fonctionne. L'accélération de Lewandowski, la passe vers Rafinha, Rafinha toujours, attention, la cette phase de Rafinha, Rafinha, le centre de Rafinha, il n'y a personne. Allez, il n'y a personne pour reprendre ce ballon. Allez, c'était bien quand même, c'était bien. Mais il n'y a personne pour reprendre ce ballon. Allez, c'est une idée avec
Robert Lewandowski. Allez, c'est passe en profondeur. Non, c'était c'était Ferran Torres. C'était Ferran Torres. Allez. Oh, Wayama là. Ah, carrément. Carrément, même si quand même donc. Allez, la passe devant, allez, ça revient encore une fois. On va récupérer Kim Palais. Allez, on va récupérer Kim Palais par les Parisiens. La passe devant. Avec le contrôle tranquille avec Dembélé. Attention Dembélé toujours qui a ça avec Kim 2. La frappe de Dembélé. Allez, Dembélé, ça donne rien. Allez, cette frappe qui passe. Attention. Allez, cette frappe, elle a été touchée. Elle a eu un corner pour le Paris Saint-Germain. Allez, Paris qui pousse. Paris qui donne tout. Allez, Paris qui pousse, Paris qui donne tout. Et là, il y a encore une pour le Paris Saint-Germain. Et quel homme, les gars, c'est Ousmane Dembélé. Allez, on voit Marquinhos, la concentration quand même de l'autre côté. Bah, ils savent carrément que... Allez, corner joué. Allez, on avance rapidement, ça revient avec... derrière, avec Hakimi. Allez, Hakimi qui trouve quand même donc Ousmane Dembélé, la passe Dembélé. Attention, tranquille, qui trouve Rafinha. Il n'a pas de Rafinha derrière, ça revient toujours. Attention sur le côté, pourquoi pas. Allez, sur le banc récupéré par Mbappé. Mbappé sur le côté gauche, le centre de Lucas Hernandez. Allez, capté tranquillement par Ter Stegen, le dégagement de Ter Stegen devant. Allez, pour aller chercher Lewandowski, attention, allez. Allez, Ferran Torres, c'est compliqué. Allez, c'est compliqué de la part de Ferran Torres. Allez, c'est compliqué de la part de Ferran Torres. Allez, le dégagement. Allez, Donnarumma. Attention sur le droit. La déviation, ça revient encore une fois. La tête du soin de Dembélé. Attention, la couverture, pourquoi pas. Et voilà, dégager. Kempara. Allez, parcours Barthi. Ça sort à tous. Allez, il faut tenir. Pour Barça, il faut essayer. Quand il y a plus de calcul. Marqué. Peut-être jouer les prolongations. Allez, c'est ça. Il n'y a plus de choses à faire. Et aussi la sortie quand même de Zaïre-Emery. Allez, remplacé par Manuel Ugarte. Allez, Ugarte qui prend donc la place de... De Zaïre-Emery, c'est bien. Quel match aussi quand même de Zaïre-Emery. Hein. Quel match aussi de Zaïre-Emery. Allez, les gars, pour devant, ça revient encore une fois. Allez, ça revient encore une fois, on va récupérer quand même sur le côté gauche, ça revient. Allez, c'est alors récupéré sur le côté, allez tranquille. Allez, la passe sur le côté droit avec Hakimi. Allez, Hakimi derrière, allez toujours. Allez, ça bout sur le côté, va en récupérer par Nuno Mendes. Allez, la passe de Nuno Mendes devant. Allez, pour trouver quand même sur le côté. Allez, pour le premier ballon quand même de... Allez, Kangini qui va garder cette balle. Allez, tranquillement, allez pour jouer derrière. Allez, dans les pieds quand même de Rafinha. Allez, Rafinha qui va essayer de faire garder la balle. Allez, on va récupérer par les Parisiens. Sur le côté droit avec Hakimi. Hakimi toujours. Allez, Hakimi, la passe d'Hakimi devant. Attention à la déviation sur le côté. Ça revient toujours dans les pieds quand même d'Hakimi. Allez, qui va jouer derrière. Allez, pour trouver Marquinhos. Ça bouge pour le moment. Il reste 9 minutes. 9 minutes pour les Parisiens d'aller chercher cette qualification quand même. Allez, la passe sur le côté gauche. Allez, la déviation tranquille. Allez, bon, on peut le récupérer quand même par les. Allez, par les Catalans, attention à la passe devant avec le contrôle tranquille quand même de Rafinha. Rafinha pressé par le joueur, notamment le retour de Kangli. Attention avec l'intervention quand même de Nuno Mendes. Et ça sort en tous. Allez, ça va être difficile. Allez, double changement de côté. Allez, Joao Félix qui rentre. Allez, Joao Félix qui fait son entrée. Et la rentrée de Joao Félix. Allez, c'est maintenant. Allez, on va voir. Allez, tout suivre rapidement devant. Allez, ça revient encore une fois. L'intervention sur le côté, on va dégager Kim par la défense.
Allez, ça finit un tour courant avec. Allez, c'est peut-être derrière. Allez, on va récupérer quand même sur le droit avec Rafinha. La passe de Rafinha qui décale sur le côté. Allez, tranquille pour trouver quand même sur le côté de Bonapé. Allez, récupérer quand même par les Parisiens avec Lucas Hernandez. Allez, pour Hakimi. Hakimi pour Dembélé. Attention, les deux qui vont seulement récupérer par Hakimi. Hakimi toujours. Allez, Hakimi qui va essayer quand même de faire la passe derrière Mbappé. Allez, on va contrer, récupérer quand même par Rafinha. Allez, Rafinha qui annonce devant. Attention pour aller chercher quand même. Donc. Allez, Ferran Torres, attention, le retour exceptionnel quand même de Mendes. La passe de Nuno Mendes, attention, l'intervention sur le gardien récupéré quand même par Gundogan. La passe de Gundogan, elle est contrée quand même par Nuno Mendes. Et ça sort en tout ça. Allez, tous. Allez, récupéré quand même par les Parisiens. Allez, Fabio. Il reste à beaucoup de temps avec la passe devant de Koundé. Allez, Koundé qui décale sur le côté. Attention avec Ferran Torres. Allez, Ferran Torres qui va essayer quand même de cercer quand même cette passe avant. Forcer la faute. La faute sur Ferran Torres et Koufran. La faute sur Ferran Torres et Koufran. Attention. 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 Là, il y a un Koufran pour le Barça. Aïe, aïe, aïe. Là, il y a un Koufran pour le Barça. Attention. 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 Là, il y a un coup franc pour le Barça. Là, il y a un coup franc pour le Barça. Allez, on va se mettre pressé. Allez, c'est Rafinha qui va tirer ce coup franc. Allez, c'est Rafinha qui va tirer ce coup franc. Allez, c'est Rafinha qui va tirer ce coup franc. On va se mettre pressé ce coup franc. Allez, Rafinha. Allez, Rafinha pour tirer ce coup franc. Attention, la concentration. On peut lire quand même cette concentration, les gars. Allez, Rafinha, allez, coup franc tiré par Rafinha. On prie pour toute la sortie. Oh, Donnarumma. Il y a quoi? Position d'argent. Position d'argent. Ah, heureusement. Heureusement. Et la position d'argent. L'arbitre qui signale une position d'argent. Les gars, c'est fou. L'arbitre qui signale une position d'argent. Ah, c'est fou. Allez, gars, c'est fou. Hein. Allez. Allez, dégagement devant. Allez, Donnarumma devant. Allez, pour aller chercher quand même sur le côté gauche. Allez, la couverture tranquille. Allez, bon, repliqué par la défense. Ça revient encore une fois. Récupérer quand même par les Parisiens. Attention, on passe au profondeur vers Kylian Mbappé. Il a passé trop fort, il a passé trop fort, récupéré quand même par Donnarumma qui va essayer quand même de relancer rapidement. Pierre Stegon autant pour moi. Allez, Pierre qui va relancer rapidement. Allez, Pierre qui trouve sur le côté. Attention, la passe quand même devant de Inigo Martinez pour aller chercher Fabien Ruiz. Fabien autant, Ferran Torres. Allez, Ferran Torres toujours qui décale sur le côté. Ça revient, on va récupérer quand même sur le côté avec Lewandowski. Pas de solution pour Lewandowski, il va jouer derrière pour Gundogan. Allez, Gundogan qui décale sur le côté tranquillement, on va récupérer quand même par Fabien. Attention de centre quand même de Inigo Martinez. Allez, il n'y a personne pour reprendre ce ballon. Allez, sortie de but. Ça va être difficile. Ça va être difficile. Allez, ça va être interminable en même temps. Ça va être difficile et ça va être interminable en même temps. Ça va être interminable. Allez. Allez, les dégagements. Allez, dégagement devant. Allez, dégagement devant quand même, ça revient. Attention, la couverture, pourquoi pas. Allez, on va récupérer par Dembélé. Allez, ça va sortir en tous. Allez, récupérer tranquillement avec Koundé. Allez, Koundé pour jouer avec Kubarčík. Kubarčík pour Ter Stegen. Ter Stegen pour Kubarčík qui va allonger devant. Et la passe de Kubarčík devant. Allez, pour aller chercher l'autre côté de la couverture. On repousser quand même par la défense parisienne. Ça revient encore une fois avec Kubarčík la tête. Allez, la couverture tranquille. On va récupérer quand même par les Parisiens. Allez, sur le côté gauche, tranquille. Allez, la passe devant avec Kylian Mbappé. Allez, Mbappé face à Koundé. La passe de Mbappé derrière. Allez, pour trouver quand même de l'autre côté. On va récupérer quand même par l'exceptionnel Vitinha. Allez, Vitinha, attention dans la tête de Mbappé, récupéré quand même par les Catalans avec Lewandowski. Lewandowski toujours, attention, qu'est-ce qui va le sortir? La faute de Lewandowski, c'est mal joué. C'est mal joué de la part de Lewandowski parce qu'il y a faim. Il y avait Ferran Torres quand même, les gars. Aïe, 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 c'est mal joué de la part de Lewandowski. C'est mal joué de la part de Lewandowski.
Allez, cette frappe quand même contrée par Marquinhos. Allez, attention Paris. Attention Paris. Attention Paris. Attention Paris. Attention Paris. Allez, qu'est-ce qui se passe avec l'arbitre là? Allez, Dembélé va sortir. Hein. Dembélé va céder sa place. Attention. Allez, Kolo Muani va rentrer. Allez, Kolo Muani qui prend donc la place de Dembélé. Allez, Kolo Muani qui prend la place de Dembélé, les gars. Allez, corner. Allez, attention, corner pour les Catalans. Allez, corner tiré, c'est rentrant. Oh ! Et Donnarumma qui touche ce ballon. C'était rentrant quand même carrément ce corner tiré par Rafinha. Heureusement que Donnarumma était là. Attention, corner joué à Raymond Sarra. Ça joue rapidement, ça revient. Avec Gundogan, la passe de Gundogan. Attention pour aller chercher Ferran Torres. À la bonne période récupérée quand même par les Parisiens. Attention contre avec Hakimi. Hakimi toujours. Il y a Hakimi toujours. Pourquoi pas elle se devant la passe d'Hakimi pour trouver Kylian Mbappé. Mbappé, le contrôle de Mbappé. L'offre de Mbappé. Et l'arrêt des Reuters, c'est Gilles Sophie. Oh, c'est double arrêt. Attention, l'accélération derrière. Oh, carrément. Et cette fois-ci les amis, c'est fini. C'est doublé de Kylian Mbappé à la 89e minute. Allez, quel contre. Quel contre. Il n'y avait personne les gars pour... Même si Ter Stegen était là, autant on voit en avant. On voit cette action, la passe d'Hakimi pour Mbappé, la frappe de Mbappé. L'arrêt de Ter Stegen, c'est une reprise quand même de volée. Et là derrière, le dégagement en catastrophe quand même de Jules Koundé. Et là Mbappé est là. Mbappé est là pour reprendre. Allez, c'est... Et là c'est fini, hein. Carrément, là c'est fini les gars, là c'est fini. Là c'est fini les amis. Il n'y a plus de suspense, hein. Là c'est fini les gars. Là c'est fini les gars, là c'est fini, hein. Il n'y a plus de suspense. Là c'est vraiment terminé les gars, il n'y a plus de suspense les gars. Oui, game over carrément. Oui, game over carrément. Là, game over carrément. Game over pour le Barça, carrément. Allez, c'est terminé. Même si qu'il y a 7 minutes de temps additionnel. Hein. Allez, même si que les gars, il y a 7 minutes de temps additionnel. Ah, ils l'ont fait. Là, ils l'ont fait, les gars. Ils l'ont fait, les gars. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Allez, dégagement devant. Attention. Allez, c'est la fête. Hein. C'est la fête, les gars, du côté du Paris Saint-Germain. Ils l'ont fait. Hein. Ils l'ont fait carrément. Allez, j'ai dit. Hein. Ah, regarde-moi ces matchs. Allez, tu dis que oui, Paris, allez, il a tout pour faire. Allez. Ils l'ont fait. Ah, ils l'ont fait. Allez, la passe devant. Attention, la couverture, ça revient. Avec l'accélération de Kolo Muani. Allez, Kolo va garder là-bas. Il va garder là-bas. Il va gagner quand même quelques minutes. Allez, Kolo, attention, il dribble de Kolo. Pourquoi pas lui aussi quand même. Allez, face à. Allez, Kubati. Allez, les gamins gagnent quand même son duel. Allez, dégagement devant de Kubati, ça revient. Allez, on va récupérer quand même par les Parisiens. On peut dire que les gars, le tournoi du match est le carton rouge. Hein. On est d'accord que les gars, que le tournoi du match est le carton rouge. Ouais. On est d'accord, les gars. Que le tournoi du match est le carton rouge. Là on est d'accord. Là on est d'accord. Là on est d'accord que le tournoi du match est le carton rouge. Carrément. Carrément. Allez, la passe. Allez, ça revient dans l'entrejeu. Allez, on va récupérer Kim par Hakimi. Allez, la passe d'Hakimi. Attention qu'il décale sur le côté vers Asensio. Allez, vous pour aller chercher Kim Vitignan. Allez, la passe contrée. Allez, les larmes dessus. Allez, les gars, c'est terrible. Là, ils ont gagné le match aller comme s'ils étaient avec eux.
Allez, la passe derrière, attention, ça revient, allez, on va récupérer toujours. Allez, oh, le petit pont d'Hakimi. Allez, ça passe, attention, pourquoi pas. Allez, la passe sur le côté gauche, attention, attention, c'est un petit avec Kylian Mbappé. Mbappé, pourquoi pas le triplé, l'offre de Mbappé. Et l'arrêt quand même de Ter Stegen. Allez, pour un PC quand même, Kylian Mbappé, donc. Allez, dégagement de Rafinha devant. Allez, attention, la déviation, ça revient encore une fois. On va récupérer quand même par Lewandowski. Compliqué quand même. Allez, on va récupérer quand même par Gundogan. La passe de Gundogan. Allez, c'est compliqué. Allez, ils vont nous contrer, récupérer tranquillement par Hakimi. Oui, dimanche, je suis d'accord. Hein. Mauvais coup de signe quand même de comment dirais-je, de Savian. On peut dire la sorte de Yamal. Hein. Donc, on a vu ce qui s'est passé après. Pour moi, la sorte de Yamal a beaucoup changé. Hein. Surtout Koundé, il avait vraiment, vraiment du mal. Parce que là, on savait quand même, donc. Là, le couloir droit quand même avec Yamal, Koundé, donc ça a apporté beaucoup de choses. Et là, on a vu ce qui s'est passé. Après, c'est là, ce carton rouge a permis non seulement beaucoup de choses, parce que Nuno Mendes, on l'a vu, il était beaucoup après, beaucoup plus offensif. C'est compliqué. C'est compliqué. Allez. Allez, on récupère quand même dans l'entrejeu. Allez, la passe sur le côté droit avec Hakimi. Allez, la passe d'Hakimi devant. Allez, tranquillement. Allez, Petrovic quand même sur le gré droit. Allez, attention, la déviation avec la couverture tranquille quand même de la part de Rafinha. Allez, Rafinha derrière. Allez, pour Inigo Martinez. Allez, Martinez qui allonge devant. Allez, pour aller chercher quand même. Donc, allez, Joao Félix. Allez, il n'y a personne pour reprendre ce ballon. On va récupérer quand même dans l'entrejeu. Allez, tranquille avec Gundogan. Allez, qui va jouer derrière avec Inigo Martinez. La passe de Martinez devant avec Lewandowski, la déviation. Et ce ballon encore une fois perdu. Ah les gars, c'est difficile. Les gars, c'est compliqué. Oui, on peut dire Yamal, oui, pour moi. Yamal, c'est l'homme quand même offensivement, on a vu. Il a fait une très bonne entame. Yamal était. Il était incroyable, Yamal. Il était exceptionnel, Yamal. Et c'est terminé pour vous, hein, les gars. Barça, c'est fini pour vous. Hein. Barça, c'est fini pour vous, hein, malheureusement. Allez, allez, la passe devant, attention, il n'y a personne pour reprendre ce ballon. Et l'arbitre quand même peut siffler la fin du match, les gars, c'est bon. Allez, demain, les gars, c'est le Real. Carrément. Allez, allez, Dortmund, les gars, qui passe. Vous savez. Allez, on récupère quand même sur le côté gauche avec Rafinha. Allez, Rafinha, toujours attention, la passe de Rafinha devant. Et la couverture tranquille. Allez, il n'y a personne. Il n'y a personne pour reprendre ce ballon. Allez, on va récupérer tranquillement par Donnarumma. Allez, qui va gagner quand même quelques minutes. Hein. Allez, Donnarumma qui va gagner quand même quelques minutes. Allez, les dégagements de Donnarumma devant. Allez, pour trouver quand même sur le côté gauche. Allez, on va récupérer quand même par Colomwani. Allez, la faute de main de Colomwani. Allez, ça se rapproche les amis quand même cette qualification. Carrément. Allez, Koundé. Allez, la passe de Koundé pour Lewandowski, ils vont repousser par la défense. Allez, on va récupérer quand même pour Vitinha. Allez, ça montre carrément que les gars, que Luis Enrique quand même, il a quelque chose. Allez, Vitinha toujours. Allez, Vitinha, la passe de Vitinha. Allez, qui est quatre sur le côté gauche, on va récupérer quand même tranquillement par Colomwani. Allez, Colo. Allez, ça tourne, ça revient. Attention, la passe en profondeur. Allez, pour Kylian Mbappé. Allez, le contrôle de Mbappé, position d'orge. Position d'orge pour Kylian. Allez, position d'orge pour Kylian Mbappé. Quel match. Allez, position d'enjeu pour Kylian. Allez, ça bouge, ballon récupéré derrière, ça revient encore une fois. Allez, bientôt, il reste que des secondes hein, avant que l'arbitre siffle la fin de ce match. Et carton zone. Et carton zone pour qui? Carton zone pour qui? Allez, carton zone pour Rafinha. Allez, carton zone pour Rafinha. Allez, France rapidement. Allez, Ter Stegen. Allez, Terre, allez, la passe de Terre devant. Allez, pour aller chercher l'autre côté. La déviation de Lewandowski. Ça revient encore une fois. On va récupérer de l'autre côté. Attention. Allez, la couverture tranquille. Ça revient. Attention. Allez, cette intervention est là. Et c'est fou quand même, Koufran. Allez, c'est Sarge. C'est Sarge quand même. Il n'y a rien. Il n'y a plus rien. Là, les 7 minutes sont écoulées. C'est Fermin. Allez, fermé de la PS Game qui prend carton jaune lui aussi. Oui, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien.
Et là les gars, c'est terminé. Le Paris Saint-Germain s'est qualifié les gars pour les demi-finales. Oui, et ils l'ont fait. Le Paris Saint-Germain les gars là. L'a fait et là, le Paris Saint-Germain les gars va jouer donc les demi-finales. Grâce à ce doublé de Kylian Mbappé, au but de Vitinha, au but de Dembélé. Là ils l'ont fait. Malheureusement les gars, malheureusement. Barça, l'aventure s'arrête là pour les Catalans. Et ça va être les gars, l'année 2025, ça va être peut-être 10 ans depuis que le Barça a gagné la Ligue des Champions en 2015. Là, il court encore une fois les gars, donc pour un sixième sacre. Et cette année, ça ne sera pas les gars cette année. Barça donc éliminé. Il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à dire. La sortie de ce carton rouge quand même d'Alauro, les gars, qui a sensé quand même ce match. Et là, ils l'ont fait. Là, ils l'ont fait. Félicitations quand même. Donc, et on voit Sabi quand même donc, qui est en train de parler avec l'arbitre. Ouais. Là, il n'est pas content. Là, il n'est pas content. Il est en train peut-être de... Et là, les Parisiens, les gars, les Parisiens sont contents. Et ça se voit. Félicitations pour les Parisiens, pour... Courage les Catalans. Oui, courage les Catalans. Et moi j'ai dû parler de 4-1 avant le début du match. Oui carrément. Là ils l'ont fait carrément même. Là c'est 4-1. Et bravo quand même. Hein. Bravo. Bravo. Atlético Madrid éliminé. Barça éliminé. Real Madrid bientôt éliminé. Oui, ça peut se faire. Hein. Mais je pense que le Real va se qualifier. Je pense. Parce que là, donc, Atlético éliminé. Là, c'est catastrophique quand même. Là donc. Je savais quand même Atlético, donc en regardant le match. Surtout donc la fin du match au match aller à Atlético Dortmund. J'avais dit que ça va être compliqué quand même pour Atlético de Madrid. Et là donc Dortmund qui élimine Atlético, c'est mérité. Hein. C'est mérité quand même pour Dortmund. Donc là on aura Barça Dortmund en demi-finale. C'est quoi ça? C'est quoi ça encore une fois? Donc c'est simple. C'est simple. C'est simple. Là, c'est mérité, les gars. On peut pas dire. En regardant, les gars, l'ensemble des deux matchs, on peut pas dire que donc que la qualification est dévolée. Non. Non. C'est mérité. C'est mérité quand même pour les Parisiens. 4-1. Bah, bravo. 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 Donc, comme les gars, lors de la saison 2020-2021, ils avaient réussi quand même à battre donc, le Barça 4-1. Notamment avec. Là, c'était en huitième de finale. Allez. Donc, ils avaient battu donc, le Barça 4-1. Notamment avec. Un triplé de Kylian Mbappé. Et là, Mbappé donc va en doubler. Bravo. 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 Merci beaucoup à toutes les personnes qui étaient là. Merci encore une fois, chers amis. Donc, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait, donc, que j'ai pas fait de live. Là, donc, c'est mon retour. Merci quand même, les gars. Merci à toutes les personnes quand même qui étaient là. Merci. Là, on se donnera, gars. Rendez-vous demain donc pour Real Madrid, Man City. J'espère vraiment qu'on va... Que le Real va. J'essaie vraiment que le Real va se qualifier demain. Merci encore une fois et du courage aux Catalans. Du courage. Regarde, je vois là, j'essaie. Ils sont pas là, ils sont plus là. Merci Lima, merci Neda, merci à toutes les personnes qui étaient là, merci beaucoup Mam, merci à Solari, merci beaucoup à Benzema, merci encore une fois. Au Barça. Merci beaucoup les amis, allez on se donne rendez-vous les gars, demain Inch'Allah, et d'ici là portez-vous bien, allez bye.